Bonsoir et bienvenue à toutes et tous. On se retrouve en direct sur webgironda.com, sur notre page YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Bienvenue dans l'émission où on ne vous dit pas ce que vous devez penser, mais qui dit ce qu'elle pense. Avec ce soir autour du micro, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, monsieur Hanif Benberkane. Salut Hanif et bienvenue à toi. Salut Nico, bah écoute, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de revenir dans cette émission et salut aux autres. Eh bien écoute, merci, on est très content que tu sois là, monsieur Gino Forte, avec le beau, c'est pas un maillot, c'est la belle veste et le bel écusson. Salut Gino. Sympa. Salut Nico et salut à tous. Comment ça va? Ah ouais, en pleine forme et avec un vrai beau moment hier de foot, quand même, avec une fin qui a été vraiment exceptionnelle et une belle petite ambiance, malgré le fait qu'on n'ait pas été les plus nombreux. C'était quand même assez sympathique. C'est la qualité qui compte. Exactement. Pas le nom, hein. Monsieur Jonathan D'Agostino qui est là. Salut Joe. Salut, bonsoir à tous. Ça va? Ça va, je récupère doucement d'une grosse soirée, d'une petite nuit. T'as fait ta victoire. Il a pété, oui, c'est ça, bien évidemment. Voilà, il faut. Entre amis, tout ça, avec ce qu'il fallait pour ça, des chansons, tout ça et tout. C'était sympa. Et déguisé, du coup, pour l'occasion, forcément. Voilà. Lui, il est déguisé avec sa casquette. Il est là, toujours au rendez-vous. Conan, pour le chat. Salut Conan, comment ça va? Salut tout le monde. Ça va très bien. Après avoir provoqué deux petits arrêts cardiaques lors du match, ça va. C'est-à-dire, toi, tu as provoqué des arrêts cardiaques. Ouais, moi, j'ai provoqué deux arrêts cardiaques. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Explique-nous. Bah, en fait, au moment du pénalty, en revoyant l'action avant qu'ils prennent la décision, tout ça, j'ai déjà poussé une grosse gueulante à la maison en disant « il y a pénalty ah !» tout ça. Ma femme ayant les oreillettes et le chat à côté d'elle, les deux ont sursauté comme pas possible. Et lorsqu'il y a eu le pénalty que Jimmy Briand l'a marqué, j'ai poussé une gueulante tellement énorme et longue que c'est pareil, elle a bondi de sa chaise et le chat est parti en courant. Bon, ça va, ils ont survécu. Oui, ils sont encore là pour l'instant. Bon, on verra le prochain match. Bon, merci Conan, tu nous relais les messages sur le chat. Je salue tous les sociaux de WebGirondin Télé qui sont là. Je vois, j'en vois quelques-uns. Iben, Patrick Gomez. Je vois les autres slides. Avalwin, Baboon, Philippe Etchemendi qui est là. Salut à tous. Je rappelle, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'on est en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, hop, venez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous verrez plus d'émissions. Merci aux 152 sociaux qui nous soutiennent et aux 7150 abonnés à cette chaîne. Pour rappel, on fait un repas entre sociaux pour le match Metz-Bordeaux le 21 novembre. On va publier des informations supplémentaires cette semaine pour réserver votre place. On fera le débrief, ça sera un débrief en direct. Un peu à l'ancienne, comme on faisait au carré, entre sociaux ce jour-là. Donc, pensez à vous inscrire. Si vous n'êtes pas sociaux, vous pouvez nous soutenir. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je trouve. Je vais vous afficher le sommaire. Ici, il s'affiche. Alors, voilà. Il s'affiche. Hop, ça va un peu trop vite. Hop, voilà. Bordeaux-Reims, première partie de cette émission. Nous allons parler de Bordeaux-Reims, bien sûr, renseignement, focus, analyse, messieurs. Hanif, tu nous diras comment tu as trouvé ce match, comment tu l'analyses, avec un focus sur Yacine Adli, sur le public qui a été primordial, je trouve, dans ce match. On en reparlera. On parlera de Benoît Costil, on l'a mis à l'honneur. Faut-il le prolonger, son contrat? On a parlé la semaine dernière d'Otavio, on parle de Costil ici. On parlera de Tom Lacou. Petkovic doit-il reconduire Tom Lacou face au PSG? C'est une question qu'on peut se poser. Et enfin, je vois qu'il y a une faute de frappe. Comment aborder avec un dé le match face à Paris? On vous posera la question, messieurs. C'est samedi, c'est à 21h. Le stade sera plein. Est-ce qu'il y aura Messi? Je pense qu'il ne sera pas là. Hein. Peut-être pas. Donc, si vous avez réservé votre place pour voir Messi, ne venez pas. Il sera pas là. Non, ça serait sympa qu'il soit pas là. Moi, j'aimerais bien. Ah, mais écoute, on va rigoler hein, chez certains Parisiens. Ah, moi, j'aimerais bien qu'il soit pas là. On va les tailler, Messi. Justement. Ah, s'il n'est pas là, Messi. Hein. Moi, on va en tailler quelques-uns. Ne t'inquiète pas. Du coup, le stade sera à moitié vide s'il n'y a pas Messi, les gars. Non, ils seront là quand même, Joe. Tu sais comment ça se passe. Mais on va pouvoir bien les tailler, par contre. Ouais, mais il y aura Jimmy. Je pense qu'il sera là, mais qu'il jouera pas titulaire. Ouais, il fera sa tournée, quoi.
Ouais, exactement. Voilà. D'accord. Bon, mais très bien. Bon, voilà, messieurs, est-ce que ça vous convient, ce programme ? Parfait. Parfait. Allez, écoutez, un petit message pour le chat, Conan, le chat YouTube que tu drives, que tu animes. Est-ce que tu as un message à adresser à la foule ? Un petit message rapide. Soyez contents et consciencieux dans les rapports que vous allez écrire. Et puis surtout, si vous avez des questions, écrivez-les. N'hésitez pas, je les note toutes. Et si j'ai un temps, je les pose. Et bien sûr, des questions pertinentes, je note. Tu auras un temps. Merci Conan, c'est magnifique. On recevra Alex qui veut réagir, qui parlera du match à 19h45. Messieurs, c'est les enseignements. On va commencer par notre invité, Monsieur Hanif, qui est là. Hanif, c'est les enseignements. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire bordelaise, la deuxième de la saison face au Stade de Reims ? On t'écoute. Alors, les enseignements, c'est que cette équipe n'a pas vraiment progressé depuis le début de saison dans le jeu ou que ce soit dans les animations défensives ou offensives. C'est toujours les mêmes lacunes, il y a toujours les mêmes problèmes en défense, les mêmes problèmes en attaque. Et je l'avais tweeté un peu avant qu'on revienne dans la partie, mais en fait, cette équipe, ce match-là, il m'inquiétait vraiment parce que j'avais vraiment le sentiment pour la première fois de la saison qu'il n'y avait quasiment aucun espoir pour cette équipe dans cette saison. Je regardais un peu les performances des joueurs, j'avais l'impression qu'il y avait un plafond de verre et qu'il n'y avait personne qui était capable de se dépasser pour pouvoir renverser la situation. Au final, bah, y a eu ce scénario un peu fou qui a été pour moi très intéressant parce que c'est peut-être le déclic de la saison, on va espérer, malgré que malheureusement tu joues le PSG la semaine prochaine et que si tu reprends une défaite, bah, au final ça aura servi quasiment à rien, entre guillemets. Mais cette équipe, on savait, est déjà plus intéressante quand elle doit réagir, mais c'est ça qui me chagrine, c'est que il y a des joueurs qui se donnent à fond que quand ils sont dos au mur et qui perdent 2-0, qui sont sifflés, etc. Et moi, j'ai du mal à comprendre cette philosophie-là. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, en deuxième mi-temps et plus vers la 70e minute, l'équipe, elle a eu un sursaut d'orgueil grâce aux supporters, parce que les supporters, honnêtement, l'ambiance, elle était incroyable du côté des Ultramarines. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, si les trois buts... que tu marques, il y a cette folie-là, c'est de ce côté-là du terrain où tu sens que sur un corner, ça crie, ça chante et les joueurs essayent d'essayer de revenir au score. Il y a des joueurs qui m'ont beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé l'attitude d'Albert Ellis et finalement, c'est un peu à l'image de ce que j'ai pensé au début de saison. Les recrues ont une mentalité qu'il n'y avait plus du tout à Bordeaux. Même Mangas, que j'ai vu, c'est un des premiers à avoir... avoir récupéré le ballon sur le but de Adli, il y a ce côté-là où il y a les nouveaux sont pas encore imprégnés entre guillemets par cette ambiance de la loose qui régnait la saison dernière et c'est ça que je trouvais plutôt intéressant. Maintenant, je sais pas comment Petkovic voit son équipe. J'ai l'impression qu'il trouve toujours pas de manière de d'aborder les matchs. Tu sens qu'il tâtonne un peu, mais individuellement certains joueurs m'ont plu. Mais collectivement, je trouve que c'est trop insuffisant et que c'est une des équipes les plus faibles de Ligue 1, malheureusement. Merci, Hanif. Je passe la parole à Gino, qui était au stade. Ouais. On t'écoute, Gino. Le premier, c'est par rapport à ça. C'est un très, très beau moment pour moi de foot qu'on a vu. Hein, vivre une remontée de 3 buts en 20 minutes, c'est très rare. Pour les Girondins, c'est encore plus rare parce qu'apparemment, ce n'était pas arrivé comme ça, en tout cas, sur aussi peu de temps. Et le vivre au stade et de ce côté du stade, notamment au virage sud, Hanif l'a très bien dit. Je pense qu'il y avait une ambiance exceptionnelle et on sentait que c'était possible, quoi. Et ça a vraiment poussé. Et le vivre, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Ça a fait du bien à tout le monde et le public, je pense, le mérite. Les joueurs ont été le chercher. Mais je pense que ce public, il le mérite vu tout ce qui se passe depuis des années. Et franchement, avoir des moments comme ça dans ce stade, c'est très important. Le deuxième pour moi, c'est la partition qui a été très moyenne dans le jeu, notamment avec une première mi-temps. Bah, on va très peu en parler parce qu'encore une fois, on a des lacunes hors normes, des manques collectifs. Hanif l'a très bien dit, je pense qu'on est l'une des plus faibles équipes de Ligue 1. Alors ça s'explique par plusieurs facteurs, mais aussi individuellement où on a des joueurs pour moi qui ne sont pas encore là ou qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc voilà, c'était vraiment une partition encore une fois très moyenne.
Et le troisième point, ben, c'est Papy fait de la résistance, hein, j'ai envie de dire, avec Jimmy. Jimmy Briand qui encore une fois, hein, on l'a beaucoup raillé, des fois à juste titre, des fois moins. Je pense quand même que c'est un mec qu'on se doit de respecter. Dans cette émission, je pense qu'on le respecte plutôt parce que quand on a une carrière comme Jimmy Briand, ben, c'est pas beaucoup de joueurs en Ligue 1 qui ont une carrière comme ça. Donc voilà, et il a fait une rentrée qui a été vraiment à souligner. Et le but qu'il met, notamment le deuxième but, pour moi, il tourne le match et il n'est pas si facile que ça à mettre. Donc voilà, et avoir la confiance ensuite de tirer le pénalty. Bravo, monsieur Briand, j'ai envie de dire. Magnifique. Bon, Joe, t'as vibré toi aussi. Hein. On a vibré. Hein. Oui. On est passé par tous les états. Pour tes enseignements. Non, on est passé par tous les états vraiment sur ce match-là. Moi, j'étais très énervé durant les 70 premières minutes. Je vous le cachais pas. On échangeait pendant le match et tout, notamment avec toi, Nico. J'en pouvais plus de voir le match. Clairement, à 70e minute de jeu, j'ai failli lâcher le match, clairement. Déjà, pour le point positif, c'est qu'on a enfin une victoire à domicile, au bout de la 12e journée du 6e match quand même à domicile, donc c'est plutôt pas mal. Petkovic se donne un petit peu d'air, même si malheureusement Brest a gagné, du coup l'air est un peu plus réduit, mais ça fait quand même un petit peu du bien, je pense, à tout le monde. Et c'est une victoire qui a fait vibrer les supporters. Donc clairement, par rapport à ça, c'est quand même un constat qui est plutôt positif. C'est top. Voilà. Maintenant, quand tu reprends le match... On s'est quand même fait balader pendant 70 minutes par une équipe de Reims qui était quand même très moyenne. Enfin, moi, j'ai pas trouvé une équipe de Reims qui surnageait. Et pourtant, j'ai trouvé, ils se créaient des occasions. En défense, on se faisait balader par moment. À la mi-temps, il peut avoir 2-0. J'étais très inquiet dès qu'on prend le but. On a vu en fin de seconde mi-temps, j'ai vu l'équipe, mais les têtes tellement basses et tout. Je me disais, on va se prendre une valise. Ça revient comme l'année dernière. On est reparti, ça va être une catastrophe. On se pose quand même la question de savoir pourquoi cette équipe n'arrive pas à jouer pendant 70 minutes. Enfin, tu vois qu'ils sont pas au rendez-vous pendant 70 minutes, même clairement. Et puis d'un coup, tout bascule. T'as un but et puis après, tout démarre. Voilà. Cette victoire est quand même un miracle, on va pas se le cacher. La preuve, c'est que c'est Jimmy Briand qui nous apporte une passe décisive et deux buts. Le mec, on n'attend plus, que tout le monde est en train de fracasser depuis des mois, qui dit qu'il a plus de niveau, il est trop vieux, etc. C'est lui qui nous fait gagner le match. Malheureusement, on n'en tire aucune certitude parce que c'est pas lui qui va nous faire ça à chaque fois. On le sait. Jimmy Briand, malheureusement, il va peut-être faire ça deux ou trois fois pour nous sortir du pétrin de temps en temps, mais on ne pourra pas compter sur lui sur toute une saison, malheureusement. Donc c'est quand même improbable ce qui s'est passé. C'est un vrai petit miracle, on ne va pas se le cacher. Petkovic a été très lucide après le match sur son interview. Ça, j'ai apprécié. Il a dit clairement qu'il ne comprend pas comment l'équipe mentalement peut passer de rien à tout d'un coup. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a une réaction, certes, mais on sait que c'est une équipe qui est tout le temps en réaction et qui passe à côté de la majorité de son match généralement. Au moins des trois quarts du match, généralement, l'équipe n'est pas présente. Donc, heureusement qu'on est tombé sur une équipe de Reims qui était vraiment dans le doute et qui a eu très peur dès qu'Adli a marqué. On a senti qu'ils ont reculé et là, ils ont commencé à faire n'importe quoi aussi. Donc, voilà. Et le troisième point, c'est quand même aussi, moi, les interviews d'après-match des joueurs. Moi, je pose vraiment la question de savoir ce qui se passe dans ce vestiaire parce qu'à la mi-temps, déjà, Koscielny, bon, on nous dit qu'il est malade. Peut-être. Quand Pembélé dit dans l'interview d'après-match, il fallait qu'on gagne pour Koscielny, comme s'il y avait eu quelque chose de grave. J'étais un petit peu surpris de cette intervention-là. Et Lacou, qui dit qu'ils n'ont jamais eu peur, qu'ils n'ont jamais douté, qu'ils sont sûrs de leur force. Je crois qu'on revoit le match. Je t'aimais, franchement, il a fait un bon match. J'ai apprécié le match qu'il a fait. Mais alors, la communication derrière, ça pose quand même de grosses questions parce que moi, ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, j'ai pas vu un groupe ou un collectif vraiment vraiment soudé. Alors dans la victoire, on le voit forcément, c'est plus facile. Mais quand on était en difficulté, j'ai pas vu beaucoup de mecs se parler, se soutenir, etc. J'ai pas vu grand chose à ce niveau-là. J'ai vu plutôt des têtes baissées plus qu'autre chose. Dès qu'il y en a un qui faisait une connerie, je voyais pas les autres plutôt le rattraper. Je les voyais plutôt tous baisser la tête qu'autre chose. Donc voilà, j'étais un peu surpris des interviews d'après match aussi. Voilà. D'accord. Donc tu retiens Jimmy Briand. La réaction, l'équipe à deux vitesses et après les interviews. Ouais. Alors, on en a échangé un petit peu avant l'émission. Moi, les interviews, j'ai rien remarqué de particulier. Je trouve que c'est comme d'habitude. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, messieurs. Moi, j'ai un gros problème avec les interviews d'après-match. Moi, de toute façon, je trouve qu'elles sont horribles parce que c'est soit de la langue de bois, soit sabotant tout. Donc, du coup, ça ne m'a pas plus surpris que ça. Mais celle de Pembélé, ouais, je l'avais vue. Justement, j'avais plus l'impression que. C'est bien. Ouais, justement, moi, c'est ça que j'allais dire. Il y a plus l'impression qu'il y a une sorte de collectif et qu'ils essayent de se battre les uns pour les autres. Après, bon, pour la coup, j'avais pas entendu ça d'éclat, mais c'est lunaire quand on sait le contenu du match et la manière dont l'équipe est passée au travers pendant 75 minutes quasiment. Mmh. Ouais, bon, après, je trouve que. Moi, j'ai écouté
toutes les interviews, je pense. Alors, j'ai pas la conférence du coach, je l'ai pas écouté, mais je l'ai lu. Je trouve que c'est classique, quoi. J'ai pas trop compris pourquoi tu t'étais. Je vois pas ce qu'ils peuvent dire de plus, quoi. Ils ont fait un super exploit, ils se sont arrachés mentalement, quand même. On peut critiquer quand même le jeu, mais mentalement, les joueurs, ils ont su se dépasser, non? Est-ce que c'est soit tu vois le verre complètement. Bon, après, on peut faire une analyse objective. Non, mais il y a un petit décalage. Hein. Ouais. Après, dans ce que dit Joe, moi, je l'entends aussi. Bah, si tu veux, on a l'impression un peu que c'est pas quand même totalement ça. Et c'est vrai que l'entrée des joueurs, et notamment sur la première mi-temps, tu sens qu'il y a des manques énormes, même en termes d'investissement, de mentalité, tu t'attends à beaucoup plus. Et même à la fin, moi, j'ai envie de dire, regarde, il gagne un match 3-2 quand même, ce qui est assez exceptionnel. Mmh. C'est magnifique. Et pour venir devant le public, c'était compliqué, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Alors que normalement, tu dois prendre du plaisir à avoir gagné 3-2. Et il a fallu presque les ramener pour venir devant le virage et rester 5-6 minutes, quoi. Donc, des fois, tu te demandes, en termes d'investissement et d'appartenance aussi au club, j'en reviens à ça. C'est pour ça que, Joe, je te trouve un peu dur sur le petit Lacou, notamment parce qu'il a fait des déclarations aussi dans le sens où lui, je pense que voilà, il investit par rapport au club et à la région et il a un côté. Je dis pas ça, c'est juste que par rapport à, c'est juste par rapport à ce match-là où quand j'ai lu ce qu'il a dit, la sérénité. C'est vraiment en fait l'opposé de ce que j'ai vu moi. Donc à un moment donné, c'est quand même un manque de lucidité criant pour moi à ce niveau-là. Après, il est jeune. Tu fais une connerie. Clairement. Ouais, c'est une petite erreur de sa part. C'est rien de grave. Hein. Comme je dis, je repars. Moi, je trouve qu'il dit. Moi, parce que si tu veux, lui, il est sûr de sa force. Je pense que c'est un joueur qui est sûr de ses capacités, sûr de sa force, et qui dit ça parce que lui, il doute pas. Tu le vois, le mec, il est allé au bout. Hein. Il a pas joué depuis début de la saison, et fini, il a les crampes, quoi. T'en as aucun autre qui a fini avec des crampes. Et tu l'as senti dans ses intentions, dès le début. Oui. L'un des seuls que tu as senti avec du déchet ou pas. Oui. En tout cas, dans ce qu'il a amené et dans l'attitude. Tu sentais que le mec était déjà concerné. Après, il avait des choses à prouver parce qu'en plus, c'est un des rares joueurs qui s'est plaint, qui ne comprenait pas sa situation en interne et qui a longtemps demandé à Petkovic pourquoi il n'avait pas sa chance à un poste où parfois c'est intéressant de le faire rentrer pour sécuriser un match ou pour pouvoir apporter un autre style parce qu'il il a un style totalement différent de Otavio. Et donc, du coup, le fait d'être sur la touche alors qu'il avait eu des minutes l'année dernière, ça l'a un peu. Fait douter, entre guillemets, et donc je pense qu'il avait des choses à prouver aussi ce dimanche. Ouais, moi je trouve qu'il a fait un bon match, mais on en parlera tout à l'heure. Ce que je vous propose, je vais intégrer Alex qui est là, qui est avec nous, qui veut réagir. Et pendant que je l'intègre, Conan, tu peux nous dire sur le chat quelles sont les réactions après les enseignements. Et on va voir Alex arriver dans l'émission. Salut Alex, bienvenue à toi. Salut Alex. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut Alex. Eh bien écoute, on va super bien et on t'entend super bien. Donc, j'ai pas pu écouter avant parce que j'étais en voiture. D'accord. Mais vous avez parlé de Reims, ça ? Ouais, alors je te propose, on va écouter les réactions sur le chat et après tu vas nous donner ton sentiment sur ce match. Quelles sont les réactions du chat, Conan ? Beaucoup de réactions qui sont, on dira, à critique du fait que c'est plus un miracle qu'une victoire. Mais bon, une victoire quand même à retenir et en espérant que ça continue après Paris, pour la plupart. Maintenant, il y a eu beaucoup de petites remarques, genre pourquoi encore Oudin titulaire, Franck Sergio, c'est quand le banc, Costil, pourquoi il n'est pas venu face au public devant les ultras pour fêter comme les autres, Briand, pourquoi est-ce qu'il est parti tout juste au VCR, la discussion entre Briand et Lopez à la fin. Il y a beaucoup d'interrogations qui se sont faites sur les images qu'on a pu voir. Ah d'accord. Bon, on n'aurait pas pensé que les gens s'interrogeaient autant là-dessus. Ouais. Et j'ai pas fait les questions. J'ai pas fait les questions. J'ai fait que les remarques encore. Oui, les remarques. D'accord. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Non, mais ça revenait sur ce que je disais. C'était l'esprit que effectivement que c'est pour ça que je pose vraiment la question de ce vestiaire clairement. Parce que ce que j'entends et ce que je vois, ça me paraît tellement discordant en fait du coup que moi ça me pose vraiment question et je suis persuadé que la sortie de Koscielny, il y a quelque chose d'autre. Moi, c'est que mon intuition, hein, c'est que c'est personnel, j'ai pas d'infos particulières. Mais soi-disant qu'il est malade, mais dans ces cas-là, tu mets pas titulaire direct. Enfin, je sais pas, c'est un peu étrange quoi. C'est soit tu fais confiance au mec ou pas. C'est le capitaine, c'est l'un des rares leaders que t'es. Un capitaine, que tu sois malade ou quoi, ben t'es là, t'es présent et le mec il revient même pas en seconde mi-temps. On n'y sort même plus du vestiaire en seconde mi-temps, que ce soit les Oudin, Dilrosson et Koscielny ne sortent pas du vestiaire pour la seconde mi-temps pour aller encourager les joueurs. Quand t'es capitaine, c'est un peu étonnant aussi de sa part. Donc, et moi, quand j'entends Pembele,
Je suis désolé, mais j'ai pas l'impression que Pembele écoute beaucoup Koscielny quand il intervient Koscielny. J'ai pas l'impression que les jeunes suivent beaucoup Koscielny non plus. Donc c'est pour ça que je m'interroge vraiment. On sent que c'est que la com a été travaillée après le match pour moi. Et vraiment, il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on veut nous faire croire. Voilà, c'est juste ça. Ouais, bon, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense pas. Tu sais, ce que je pense, moi, j'ai dit ce que je pense, je parle beaucoup ce soir, décidément. Mais moi, je pense qu'il peut très bien avoir été malade, comme ils l'ont dit. Ils ont tenté la première mi-temps, et on voit qu'il n'est pas bien en première mi-temps, et qu'il était vraiment malade, et assez malade, à tel point qu'il ne peut pas revenir sur le banc. Mmh. Et... Peut-être, j'y parle. Après, comme disait Joe, le problème après, c'est que Oudin non plus n'est pas revenu et Dilrosun non plus. Donc, ça fait deux autres joueurs qui n'étaient pas forcément malades. Après, honnêtement, sur Koscielny, je pense pas qu'il y a plus que ça. Je pense vraiment, et pour le coup, tu le vois sur la première mi-temps, qu'il a l'air vraiment un peu dépassé, même dans ses courses. Tu sens qu'il est un peu en retard et qu'il n'avait pas beaucoup dormi, quoi. Donc, c'est pas ce qui me choque le plus. Allez, Alex, on t'écoute. Sur ce match, tu étais au stade? Ouais, c'est ça. J'étais au stade. J'ai été assez déçu pendant 70 minutes, comme tout le monde. On va dire que les Girondins sont un vecteur d'émotion, mais c'était très, très limite. Moi, j'ai été déçu par certains joueurs, notamment Pembele en premier, par exemple. Pendant 60 minutes, je l'ai trouvé fantomatique, mais vraiment, j'avais l'impression de voir Pungi à droite, quoi. Bon, après, à la 70e, c'était le Pembele de Marseille. Donc, on a retrouvé une bonne équipe avec de l'allant offensif, un Kalou qui percute, un Mangas qui dédouble. Voilà, quelque chose de plus constructif où on peut aller vers l'avant. Même si j'en veux encore à Kalou pour quelques petits gestes. Je trouve que quand Mangas, il dédouble, il lui donne jamais la balle, en fait. Il pense toujours à rentrer, à vouloir soit frapper, soit envoyer un ballon devant en espérant que ça en touche un attaquant parce qu'on a du Mara, du machin devant. Non, mais c'est pas ça le foot. Pour moi, c'est... Alors oui, il fait une bonne entrée. On peut dire qu'il provoque, c'est vrai. Mais c'est trop limité, quoi, niveau QI foot. Et le problème, c'est qu'on n'a personne d'autre. On va mettre Oudin, mais Oudin, il va perdre de ballon. On va mettre... Dilrosun, il est sorti, mais c'est compliqué. Moi, je trouve qu'en fait, ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que Petkovic, il n'y a pas de progression. On voit pas de fond de jeu. Des mecs comme Franck Hez, alors oui, on a dit, ça fait que 10 matchs, c'est un nouveau projet, mais on peut voir quelques améliorations. Là, pour moi, c'est trop limité. J'ai l'impression que le pressing n'est pas coordonné. Dans le dos de la défense, tous les ballons en profondeur de Reims en première mi-temps, dans le dos de Koscielny, c'était mes cadeaux. Mais vraiment, mais du cadeau. Donc voilà, moi, ce que j'en ai pensé. Après, j'ai été content de voir la coupe. Moi, j'ai trouvé un bon niveau. Il a permis de jouer vers l'avant. Ça faisait... Je vais pas critiquer Otavio ou quoi, parce que ça sert à rien. C'est deux joueurs complètement différents. Mais je trouve qu'il apporte quelque chose de différent. Techniquement, c'est un peu plus juste. Ça joue plus vite vers l'avant. Après, pour combler les brèches, c'était un peu plus difficile. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, on peut rebondir sur. Oula. Il faut que tu coupes le son. Ok, pardon. Voilà, ça va aller mieux. On peut rebondir sur le fait que sur Petkovic, ce qu'il a dit Alex, le fait qu'on voit pas l'équipe progresser. Qui c'est qui veut réagir à ça? Hanif, pour commencer, ouais. Après Gino et après Joe. Bah oui, totalement. Quand tu regardes le début de saison, tu en fait t'arrives pas à avoir de fil conducteur dans ce qu'il essaye de mettre en place. Il a beaucoup tenté. Alors certes, il arrive, il récupère une équipe à une semaine de même pas du début de championnat. Qu'il a besoin de plus de temps, que 10 matchs, c'est pas forcément beaucoup, sachant qu'il a eu énormément de fois des joueurs absents. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que dans des principes de jeu même, par exemple comme le pressing, c'est des choses qui sont pas travaillées depuis la saison dernière. On a vu les difficultés, et cette saison, on n'a pas vu d'avancée dans ce sens-là. Et au contraire, et moi, c'est ce qui m'inquiète justement, c'est que contre Reims, et que c'est depuis le début de saison pareil, ce problème de pressing, il est toujours aussi criant. Où tu vois des défenseurs adverses qui ont le temps d'avoir le ballon pendant des dizaines et des dizaines de secondes, qui ont le temps d'avancer sans être attaqués. Et au final, bah, on a l'impression que Petkovic, mais de toute façon, ça, c'est quelque chose que même certains joueurs s'en sont plaints, c'est que pour l'instant, il n'a pas mis du tout de mise en place tactique avec Borda à l'entraînement. Certains joueurs attendent un peu ça aussi. Et pour l'instant, Petkovic a décidé de ne pas s'intéresser à la tactique, entre guillemets, et de s'occuper un peu du mental des joueurs et des principes de jeu qu'il essaye de mettre en place. Mais du coup, je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, parce que sur le terrain, on a l'impression que l'équipe progresse pas et qu'il y a aucune certitude sur lesquelles te reposer quand tu es en difficulté.
Là, contre Reims, Bordeaux a réussi à renverser la situation. Mais justement, on parlait des réactions d'après-match, mais quand Petkovic dit qu'il a mis Briand pour avoir plus de profondeur et que c'était pour décharger les défenseurs, je suis désolé, mais pour moi, il a juste accumulé les attaquants et on ne sentait pas un meilleur jeu ou quoi. C'est juste que Reims a été pris un peu dans cette tempête et qu'ils ont craqué. Mais pour moi, ça n'a pas du tout amélioré le jeu de l'équipe. Je lis la réaction de Patrick Gomez que tu as affichée, Conan. Il dit « J'ai trouvé Petkovic plus exigeant sur son discours. À mon avis, il a fini son audit et va enfin voir sa patte. » Qu'est-ce que tu en penses, Gino? Déjà, il va pouvoir s'appuyer sur des joueurs qui, à mon avis, vont revenir ou en forme ou vont intégrer l'équipe pleinement. Après, c'est compliqué. C'est vrai qu'on ne voit pas pour l'instant de gros axes d'amélioration sur certaines choses. Hanif l'a dit. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas lui laisser du temps? Moi, j'ai envie de lui laisser du temps par rapport à l'équipe. Déjà par rapport à l'effectif et tout ce qui s'est passé. Donc pour moi, en si peu de temps, c'est très compliqué. Et comme il n'a pas l'air d'avoir des grands principes de jeu quand même fondamentaux comme l'avait peut-être Souza, par exemple, où on repartait de derrière, on savait ce qu'on allait faire avec une prise de risque assumée, Petkovic, pour moi, a l'air de plus s'adapter à son effectif. Il est peut-être moins dans une mise en place, un peu comme on peut le voir dans d'autres clubs du championnat, qui prennent plus de risques, et notamment au niveau du jeu. Ça n'a pas l'air d'être sa philosophie première, mais pour moi, il faut lui laisser quand même du temps pour avoir un jugement, on va dire, plus conséquent par rapport à tout ce qui se passe par rapport à Petkovic. Après, il n'a pas de pote, Petkovic. Je ne sais pas ce que les gens attendent particulièrement, mais de son passage à la Lazio, pour avoir discuté avec pas mal de spécialistes du club, c'était une des pires équipes de Serie A, qui a gagné la Coupe d'Italie certes, mais une des pires équipes. Et même Petkovic assume dans ses interviews où il dit clairement qu'il n'a pas de principe de jeu et que pour lui, seule la victoire compte. Il a des principes de jeu. Il peut avoir des principes quand même là-dedans. Mais... La Dio, c'était l'un de ses premiers clubs, je crois, l'un de ses premiers clubs. Il est passé à côté, clairement, et ça, par contre, il le dit. Mais par exemple, avec la Suisse, quand tu écoutes les joueurs, ils te disent clairement qu'il fallait faire un pressing haut, que lui, ce qu'il voulait, c'était anticiper les passes et puis essayer de contrer le plus haut possible. Il a quand même des principes. Et on le voit au début, on voit que l'équipe essayait de presser haut, mais qu'elle était vite dépassée, notamment dans le dos, en profondeur. Là, il a décidé un petit peu de faire reculer le bloc, justement, pour éviter de prendre trop le bouillon en profondeur. Malheureusement, le problème, c'est ce milieu de terrain qu'on a, qui est juste catastrophique. On n'arrive pas à trouver la solution au milieu, il n'arrive pas à trouver la solution au milieu. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire de dispositions tactiques pour comprendre que, de toute façon, les joueurs actuellement, mentalement, ils n'arrivent pas à se mettre dedans. Ce n'est pas une question tactique ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit, pour l'instant, c'est une question d'esprit, une question de collectif que tu n'as pas. Tant que tu n'as pas un collectif, tu ne peux pas créer une tactique, de toute façon. Et pour moi, il n'y a aucun collectif pour l'instant actuellement. Je ne vois pas des joueurs bien s'entendre sur un terrain. Je ne vois pas des joueurs se chercher beaucoup. On parlait de Pembélé. Ellis, il était tout le temps à essayer de dédoubler et tout. Pembélé, il fonçait tête baissée. Mangas, en premier temps, il faisait gaver d'appel à gauche. Il était tout seul. Personne ne le servait. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas une question tactique. Mais profil des joueurs. Ouais, non, mais même, aux joueurs qu'il a. De sentir le jeu, tout simplement aussi. Voilà, c'est ça, c'est que Petkovic, malheureusement, tu vois qu'il fait avec le matos qu'il a. C'était le seul qui était lucide, justement, après le match. Moi, dans l'interview, qui dit que justement, il pouvait pas, justement, il n'était pas satisfait de ce qu'il a vu, clairement. Ça, on va pas, il a totalement raison. Il ne comprend pas comment cette équipe mentalement peut passer de 70 minutes catastrophiques à 20 minutes où tout le monde se défonce pour aller marquer un but. Certes, il accumule les attaquants. Il tente un coup de poker, mais en même temps, tu perds 2-0. Donc, fais tous tes attaquants et tu vois qu'en début de seconde mi-temps, quand on fait l'engagement, tu as 6 joueurs sur la même ligne au départ qui part direct. Donc, ça, je n'ai pas trop compris. Mais bon, ça, c'est ce qu'il veut. Bon, ça, moi, je vois pas l'intérêt de ça, notamment les latéraux quand ils sont trop. Pour moi, il faut qu'ils arrivent à lancer les latéraux. Mais après, c'est chacun voit le foot comme il veut. Mais voilà, donc pour moi, Petkovic, malheureusement, il a pas trop de solutions. Il essaie de creuser, mais il faut du temps. Mais pour moi, il a pas le temps. La problématique est là. Là, si on perdait là, c'était dangereux pour lui. Hein. Je vais te redonner la parole, Alex, mais je vais juste rajouter une chose avant. T'as comparé avec Frank Hayes. Frank Hayes, ça fait 3 ou 4 ans qu'il travaille son système avec la réserve, avec la Ligue 2. Tu peux pas comparer avec Petkovic qui est là depuis 2 mois. C'est impossible. Par ailleurs, on pourrait aussi trouver dans son fil de jeu du match
mais qui ne s'est pas laissé abattre, qui a continué à faire ses changements, qui n'a pas hésité à changer trois joueurs à la pause parce que ça ne marchait pas, et que finalement, mais les changements qu'il a apportés en faisant rentrer un joueur qui a un QI foot, parce que Briand, c'est quand même un des joueurs qui sent le foot, quoi. Le mec, il a 17 saisons au niveau, quoi. C'est pas n'importe qui, Jimmy Briand. Et bien, il trouve la solution et il renverse un match qui était mal engagé. Oui, et il n'a pas refait l'erreur de faire rentrer, par exemple, Niang, qu'il avait fait rentrer, malheureusement, pas de la bonne manière. Il faut être honnête, on l'avait dit, d'ailleurs. Alex, je te redonne, j'ai fait un peu le contre-argumentaire. Je te redonne la parole. Du coup, pour Franquet, c'est vrai que je me suis un peu trompé parce que c'est vrai qu'il a eu plus de temps. Donc, forcément, le temps, c'est peut-être ce qui manque à Petkovic. Moi, il y a quelque chose, quand même, vu du stade, qui m'a un peu choqué. C'est que quand on prend même avant ce deuxième but, j'avais l'impression que l'équipe était un peu en autogestion quand même. Il fait ses trois changements, mais quand le petit Kebal il rentre, il met deux, trois fois la misère à nos joueurs. Il y a personne qui vient mettre un tampon. Il y a personne. Il y a Petkovic, il dit rien. Je vois juste Adli qui lui tire le maillot, qui essaye de le tacler. Mais à part Adli, on n'a pas de leader. On n'a pas un mec qui vient dire, putain, on pose nos pardon, mais voilà, quoi. Et on arrête de se faire marcher dessus. Le petit Mboukou, il rentre dans l'axe, il passe nos milieux. Enfin, tout est trop facile. Voilà, on a des problèmes partout et j'ai l'impression que sa seule solution, c'est qu'un problème mental. Mais le problème, c'est que la psychologie, ça fait pas tout dans le foot. Je suis désolé. À un moment donné, on n'est pas en sélection. C'est pas la Suisse. On met pas 3-4 mois à trouver son, voilà, c'est un club. C'est la semaine, on travaille le match pour la semaine. Enfin, pour le week-end, pardon. Donc, moi, j'ai l'impression que voilà, il est encore dans un confort de sélection où, voilà, je sélectionne mes 23 petits joueurs. On va le week-end jouer nos matchs mais je vois pas de progression dans le jeu. Et moi, ça m'inquiète. Même face à des Lorient. Moi, je vois Lorient qui perd 4-0 à Strasbourg, ils se font déchirer, quoi. Et nous, on prend un bouillon là-bas. Y a aucun match où on arrive avec des certitudes. Vraiment, est-ce que vous arrivez avec un match et vous dites aujourd'hui, vous savez que Bordeaux va proposer du jeu? Aucun. Non, mais c'est pas que Petkovic. Ça date d'il y a des années, ça. Donc, malheureusement, c'est pas le coach, on le sait. Maintenant, tu peux mettre n'importe quel coach, ça sera le même problème pour l'instant. Vous êtes persuadé. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Le club est malade. Le club est malade. C'est pas que Petkovic, c'est que le club est vraiment malade. Il faut s'en rendre compte, c'est-à-dire que pour moi, dans le club actuellement, l'ambiance, elle est nulle à chier. Mais ça revient à gasser son petit caillou, quoi. Moi, j'ai du mal avec ce petit truc-là, le petit caillou dans la chaussure et tout est déréglé. Moi, pour moi, tout se travaille, tout s'améliore. Aujourd'hui, on a peut-être fait des mauvais choix aussi. Par exemple, Niang, c'est un peu border. On avait du Habib Diallo de disponible. On se trouvait avec un mec qui est à moitié blessé, à moitié hors de forme. Donc forcément, on est obligé de faire rentrer Papy Briand, qui a tout le mérite. Mais franchement, Briand, chapeau à lui. Aujourd'hui, le mec, il rentre, il nous sauve. Mais comme dit Adli, voilà, il a des baloches. Mais le reste, comment on fait, quoi? Comment on fait? Qui va porter cette équipe? Adli, 22 ans, qui part dans 6 mois. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Gino? Non, je trouve Alex un peu dur, mais bon, après, je comprends. Après, ça fait très peu de temps. Hein. On veut vraiment tout de suite, parce que Petkovic, il subit beaucoup de choses. Des joueurs qui sont en méforme, qui sont arrivés très tard, des joueurs qui ont la tête dans le seau depuis des mois et des mois. Des années, 2 ans au moins. Voire des années. On parle de Houdin, de Kalou, mais ces mecs-là, ils étaient à quel niveau avec Jean-Louis Gasset? Non, mais moi, je demande. Hein. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au bout d'un moment, après, il faut aussi lui laisser du temps avec des nouveaux joueurs, des joueurs qui se donnent quand même, Anif l'avait dit, au niveau de la mentalité, qui ne sont pas des joueurs extraordinaires. Hein. On n'a pas recruté des mecs extraordinaires. Hein. On parlait d'Albert Félix, qui est super dans l'attitude. Moi, franchement, j'adore l'attitude. Ce n'est pas un extraterrestre. Hein. Moi, on ne va pas me vendre dans le truc. Techniquement, on le voit, c'est sûr. Et pourtant… Le mec, il se donne à fond. Et il y a pas mal de mecs. Mangas, il fait beaucoup d'erreurs défensivement, Mangas. Pareil, mais on a l'impression qu'ils essayent de bien faire avec leur niveau de jeu. Et on a des mecs, voilà, qui ont un niveau de jeu. Il faut se rendre compte aussi des joueurs qu'on a. Donc Petkovic, c'est pas un magicien, à mon avis. Laissons-lui du temps pour au moins avoir la patience d'attendre le niveau de forme des joueurs, c'est-à-dire qu'ils soient à un bon niveau de forme. Qu'il essaye de certains de les faire s'améliorer et on fera un bilan un peu plus tard. Je ne comprends pas comment. Je ne pense pas qu'il faut faire un bilan sur l'entraîneur. C'est l'erreur à ne pas faire qu'on fait tout le temps. On fait tout le temps cette erreur sur les entraîneurs. Mais ça Gino, fait des années qu'on ne change pas. Juste une réponse et après on change de thème. J'aimerais repasser la parole à Anif là-dessus. Vas-y, Alex.
le seul truc, c'est que on a parlé beaucoup de mental, de tout ça, mais on a vraiment, l'effectif, il a changé, quoi. Pour moi, on a des joueurs aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec ce qui s'est passé l'année dernière. Aujourd'hui, il reste quoi? Costil, Koscielny, Ottavio en base, même si Ottavio était blessé l'année dernière, mais sinon, devant, t'as Elise, Dilrozun, bref, il reste pas grand monde, en vrai. C'est, moi, je suis. Oui, ils viennent d'arriver, mais ça fait 10 matchs. Moi, je veux pas attendre que ça pique. Alex, Elise, il a pas eu de préparation, le mec. Il était blessé. Non, mais c'est quoi le niveau de ses joueurs? Il faut être conscient que Bordeaux a pris des joueurs qui pouvaient avec très peu de budget. Et si on fait, je sais pas si tu veux prendre la parole là-dessus, Anif, mais mais je fais juste ça. Elise blessé mi-juillet en Honduras, l'orteil cassé, pas de préparation. Niang, pas de préparation. Mangas en a une. Dilrosun n'a quasiment pas joué depuis un an. Sa préparation, on ne sait pas trop où il en est. C'est un joueur qui est en manque de confiance. Qui c'est qu'on a recruté encore? Mais genre, on en a qui arrivent le dernier jour du mercato. Gregersen aussi. Qui c'est le dernier jour? Gregersen et Onana. Onana, c'est Onana. Le dernier jour du mercato aussi. Onana qui avait beaucoup joué. Mais lui, il arrive, boum, il se blesse. Mmh. Et après, à côté de ça, il est obligé de faire avec les joueurs qu'il a. Et je pense qu'il faudra un, voire deux, voire trois mercato pour changer complètement l'effectif. Et pour que les joueurs aussi aient le niveau. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Et c'est des joueurs, c'est pas. C'est des joueurs qui viennent en prêt. Ils savent pas s'ils vont rester. Mais surtout, dans ces recrues-là, alors, c'est largement mieux que ce que Bordeaux avait avant. Hein. Dilrosun, tu sens qu'il a du football dans les jambes. Albert Ellis apporte une profondeur et une vitesse que Bordeaux n'avait pas. Mais il faut aussi penser qu'on l'a vu avec, toute comparaison, mais Messi, on l'a vu avec d'autres recrues. Le championnat de France n'est pas un championnat qui est hyper simple à absorber et il faut un temps d'acclimatation. Et Bordeaux a changé 11 joueurs quasiment. Dans les 11 joueurs, tu en as quasiment 8 qui n'ont jamais connu. Une équipe du top 5 championnat, c'est aussi compliqué d'arriver dans un nouveau championnat comme ça. La France, c'est un championnat assez compliqué, notamment physiquement. T'as recruté, c'est pour ça que dans le mercato, moi, quand les gens disaient tout va aller mieux, je disais attention parce que tu recrutes pas des joueurs qui sont habitués au championnat de France. Aujourd'hui, un Franck Sergio, il t'apporte pas parce qu'il est totalement dépassé par ce championnat-là. Un Cahuzac ferait beaucoup plus de bien à Bordeaux, par exemple. Pourtant, c'est pas un joueur que j'apprécie du tout, mais c'est des joueurs d'expérience du championnat de France. Et ça, Bordeaux a recruté des paris pour Pembélé, qui a l'air de plutôt bien s'acclimater. Mais t'as beaucoup d'interrogations sur est-ce que le profil va matcher avec le championnat de France. Et ça, on l'oublie. Après, bien sûr que t'as pas le temps et que malheureusement, t'es déjà dans l'urgence et que tu dois avoir des résultats parce que ça fait déjà quand même 10 matchs et que tu arrives vite à la mi-saison. Mais c'est aussi faut aussi avoir la patience de se dire que cette équipe-là est en construction parce que tu pars de zéro. Tu as des joueurs qui doivent s'adapter. Je vous l'avais dit, Dilrosun, il n'a pas joué depuis un an. Albert Ellis, il a une fracture du métatarse. Il y a eu, Nyang qui arrive en étant blessé. C'est pas idéal pour pouvoir aligner une équipe directement qui performe. Voilà. Bon, Alex, tu nous as réveillés là. Non, je comprends que tu es exigeant. Oui, ça peut se comprendre aussi. Hein. Juste le mot de la fin pour que nous, on enchaîne sur l'émission. On t'écoute. Il a totalement raison, Anif. En vrai, je suis peut-être un peu dur. Même vous tous, vous avez raison. Hein. Je manque d'indulgence, certainement. Je le reconnais, mais honnêtement, au niveau comptable, moi, ça me fait peur. J'ai pas envie de me taper un barrage 17e à l'arrache. Et je me dis qu'on n'est pas vraiment inférieur à des équipes comme Lorient, comme Strasbourg, comme Brest. Donc, moi, ça me fait peur. Tu as raison. Et après, je sais que le mercato d'hiver va être là pour ça. On va certainement faire des ajustements, des joueurs qui vont peut-être partir. Je sais pas, mais je pense qu'on trouvera certainement une solution. Et peut-être qu'au final, avec le temps, je me dirais que Petkovic était vraiment pas sur qui celui qu'il fallait taper. Donc voilà, je parle peut-être de beaucoup trop à l'instant présent. J'ai du mal à faire un constat assez. Assez lucide, on va dire. Mais il y a des joueurs qui m'intéressent, des petits Dilrosun, des Elise. Voilà, on voit qu'ils apportent. Moi, les mecs, ils ont envie. Ils ont rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Ils sont là juste pour tout donner et se faire acheter à la fin de la saison. C'est juste ça leur truc. Donc eux, ils ont aucune raison de... Bon, en tout cas, merci. T'as exprimé ce que tu pensais. T'es là pour ça. En tout cas, merci. Merci à vous. Allez, salut Alex. Ciao. Bonne soirée. Salut. Bon, ben voilà, Alex, il nous a
nous a un peu allumé notre ami Petkovic. Mais bon, c'est intéressant le débat. Oui, le débat est intéressant. Ouais. Moi, c'est pas Petkovic que j'ai envie de taper. Moi, c'est comme je le dis souvent, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit aussi un peu exigeant dans le sens où, moi, quand je dis, je suis quand même assez inquiet. J'ai toujours, je vois pas en fait ce qui fait que d'ici 2-3 mois, ça ira mieux, malheureusement, parce que ouais, on dit machin revient de blessure, machin revient de blessure, mais il y a tout le temps un blessé ou deux ou trois ou quatre. Donc les joueurs, tu sens qu'aussi physiquement, c'est très fragile. Effectivement, pour l'instant, il y a pas de collectif, il y a pas tactiquement, on voit pas grand chose. Au milieu, c'est un no man's land depuis 3 mois. C'est vrai que il y a aussi parfois, c'est à se poser. Attention. Hein. Ouais, Nif, et après on enchaîne. Je passe la parole à Conan. Et on enchaîne. Après, parfois, c'est juste une question de série. T'as juste besoin d'une victoire qui t'en amène une autre, et après l'équipe se métamorphose aussi bien dans le jeu que mentalement. Mais bon, c'est clair qu'ils travaillent dans l'urgence, en vrai. Bon, sur le chat, Conan, c'est comment? Ils sont comment là? Ils sont chauds? Oh, bah, sur le chat, sur YouTube, il y a des avis dans tous les sens. Qui vont autant de... Ben, j'ai l'impression que Pitch le Suisse a une dent envers notre milieu, et particulièrement Adli. C'est un copain à Joe, ça. Ouais. et après, bon, il y a eu deux, trois petites interrogations. Il y en a une pour Gino, d'ailleurs, qui a été posée vu qu'il était au stade. Et Alain Lafont aimerait savoir si tu sais pourquoi il n'y avait pas de fumigène qui a été fait hier. Et Jessica a demandé pourquoi les coups de sifflet, même si ça, on s'en doute un peu. Non, les fumigènes, je ne sais pas particulièrement. Pour tout te dire, normalement les fumigènes, on sait que c'est interdit, hein, normalement dans le stade. Mais après, les ultras peuvent en amener et tout, mais je n'ai pas d'infos particulières sur ça. Et tu me disais la deuxième, tu me disais. Jessica, elle a dit, mais la cause des sifflets, pourquoi les sifflets au moment où... Non, franchement, parce que les gens en avaient vraiment marre de ce qui se passait sur le terrain. Et on l'a vraiment ressenti, c'est-à-dire qu'il y a eu une bronca, notamment en fin de première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il y a eu des holés quand Reims passait le ballon et qu'on était à 0-2. Et ça commençait vraiment à sentir que les gens en avaient vraiment marre, hein, notamment au virage sud, hein, où là, les gens commençaient à en avoir vraiment plein le cul, en fait, de voir hein, ce niveau de jeu, hein, faut le dire. Et on a même entendu des « on se bottes. Fait chier » en première mi-temps. Première mi-temps, vrai, on se fait chier, qui était totalement logique et qui ont fait un peu de bien, je trouve, qui ont dû piquer un peu l'orgueil de certains joueurs, peut-être de nos cadres d'ailleurs. Hein, on parle de Costil qui n'est pas venu apparemment, j'ai pas fait attention, mais apparemment Costil n'était pas là. Mais ça fait du bien aussi, et je trouve que le virage a aussi ce rôle-là, autant qu'il a soutenu à fond l'équipe dans tout ce match. Il y a eu des moments où ça a tensé un peu les joueurs. Ouais, et j'avais noté dans le conducteur de cette émission le rôle primordial du public qui a sifflé, qui a chambré et qui a piqué les joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Joe, là-dessus, et ensuite Anif? Moi, comme je dis souvent, je trouve qu'on est. Lopez avait dit que c'était la fin du confort. Moi, le confort, je le vois toujours, et c'est ça qui me dérange beaucoup. Et je trouvais qu'on était très indulgents au niveau des supporters au stade. Je comprenais pas pourquoi on n'avait pas tensé un petit peu quand même avant sur certains matchs quand même. Là, on sentait que ce match-là, il était quand même primordial pour nous. Si on le perdait, là, il y avait danger derrière, clairement, pour Petkovic notamment, et peut-être pour certains joueurs aussi. Le public, je pense, là, ça aurait vraiment tourné à ce moment-là, c'est sûr et certain. Ils sont donnés un peu d'air, mais on sent que ça reste encore très fragile et très limite. Donc, le public est là pour ça aussi, ils ont encouragé au maximum, mais à un moment donné, il faut arrêter aussi. Quand on voit les 70 premières minutes de jeu, comme je dis, on se baladait par Reims, qui est une équipe, mais qui n'a aucune confiance en elle, qui ne maîtrise pas son sujet, et qui pourtant nous met 2-0, quoi. Tu te dis, et qui se crée 5 ou 6 occasions, quoi. Et toi, tu n'as rien derrière, en fait, pour répondre. Donc, tu te poses quand même beaucoup de questions. Et bizarrement, c'est peut-être effectivement ça, notamment Briand, hein, qui était pris en grille par le public depuis quelque temps, hein, on le sait, et c'est lui qui est le symbole de cette réaction. On voit que derrière, après, il n'a pas été salué le public, je peux le comprendre. Un peu quand même. J'ai revu les images, il se met comme ça devant. Il fait ça. Là. Non, mais après, à la fin du match, c'est de bonne guerre. Après, il est parti comme Briand aussi. Voilà. Hein. Et comme Briand aussi, hein, il n'est pas revenu. C'est Briand que je parle, c'est pas Costil. Moi, c'est Briand. C'est Briand, mais je comprends sa réaction. Oui, je comprends totalement sa réaction. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des réactions comme ça, justement, d'avoir un mec qui répond sur le terrain. Après, qu'il a la parole publique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, mec qui a fait son boulot? Mais voilà, tant mieux. Voilà, tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. Maintenant, voilà, tu sens qu'effectivement, c'était le moment effectivement de répondre pour les joueurs, parce que sinon derrière, voilà, le public allait se retourner contre eux, je pense, après ce match-là. Si on perd. Anif, on voit qu'il y a des échanges. Enfin, ça communique entre le public et les joueurs, ça chambre, ça siffle, et c'est ça qui est bien, parce que le seul moyen de communiquer avec les joueurs qu'un public a, c'est pendant les matchs.
tu siffles, t'encourages, tu chambres, et les joueurs ont le droit aussi de chambrer sur les célébrations et de communiquer. Mais que ça fait du bien, j'ai envie de dire, même que quand j'avais vu récemment, il en avait parlé, Florian Brunet, sur Twitter, où il disait qu'il avait jamais vu une équipe jouer mieux quand elle est sifflée. Ben, moi, j'ai trouvé ça tellement scandaleux, parce que je me dis, mais il y a des joueurs qui... on a vu qu'en les applaudissant, ça marchait pas, mais il y a des joueurs qui ont besoin d'être piqués qui ont besoin d'être piqués, en fait. Et quand on parle de Briand qui va pas saluer le public, mais c'est pas grave, justement, ça rassure, parce que c'est un joueur qui a de l'orgueil. Ça prouve au moins qu'il a du caractère et que au final, on s'en fiche s'il va bouder les supporters, mais s'il te marque des doublés et qu'il te sauve l'équipe à chaque fois, au final, c'est comme ça qu'il doit marcher. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à voir l'année dernière, la scène qui m'avait déchiré le cœur, c'est quand l'équipe gagne contre je sais plus du tout contre Lens. Ouais, et que t'es pas qualifié, t'es pas maintenu du tout, et qu'il y avait ils avaient sorti les fumigènes avec les supporters qui les acclament, etc. Et j'ai trouvé ça tellement scandaleux, je me disais, mais comment on peut se contenter de ça, alors que pendant une saison, les joueurs ont livré des prestations catastrophiques. Et pour moi, cette équipe-là, justement, elle a besoin d'être parfois un peu plus sifflée, un peu plus huée, parce qu'elle est dans un confort qui fait que t'as l'impression qu'ils traversent les matchs sans se rendre compte de leurs prestations. Et hier et dimanche, on l'a vu, le fait qu'ils aient été sifflés. D'ailleurs, quand je vois que Oudin, ça lui plaît pas, etc. Mais j'ai envie de dire, écoute, c'est qu'il y a un gros problème quand même. Ouais. Mais justement, je trouve que c'est positif. Et c'est dans tous les grands clubs et dans tous les clubs, c'est une arme qui est utilisée par les supporters, et on sait que ça fait ses preuves. Donc j'aimerais bien que parfois, quand l'équipe va mal, je ne dis pas qu'il faut toujours les huer et que ça doit être une équipe qui doit être totalement détruite par ses supporters, mais parfois ça fait du bien de taper dans la fourmilière. Voilà, très bon public bordelais encore qui est allé chercher. On lui doit une partie de. Ah, les trois points. Pour moi, c'est public bordelais, c'est pour le public. Hein. Ah, les trois points à eux. Hein. Ah oui, oui, rôle primordial du public et des supporters une nouvelle fois. On peut faire encore, on reste encore sur le match un petit peu. On passe sur les autres thèmes, on pourrait être moins long. On a parlé du public. Jimmy Briand, est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur lui? Non, vous avez tout dit. Bravo à lui. Il a profité de son temps de jeu. Je trouve que c'est un exemple de professionnalisme, parce que comme vous l'avez dit, ça fait 17 saisons qu'il est là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que j'aimerais bien avoir la statistique, mais entre la distance parcourue par lui et celle de Sekou Mara dans le match, il doit être triple, je pense, alors que pourtant ils sont rentrés en même temps. Mais c'est un exemple de professionnalisme. Les gens ont été durs avec lui à juste titre, parce que Mara rentre à la mi-temps. Il a été mauvais, même très souvent. Mais bon, après, c'était aussi le problème de la direction, parce que tu pouvais pas te reposer sur un attaquant de 34 ans à l'époque, titulaire devant. Mais c'est un exemple de professionnalisme, et j'espère qu'il pourra avoir sa chance un peu plus souvent, s'il le mérite évidemment et si l'équipe en a besoin. Parfait. Yacine Adli, petit focus sur lui, rapide. Un match un peu en demi-teinte ou à deux visages, j'ai envie de dire. 25 ballons perdus, c'est énorme. Hein, à Adli. Et un joueur qui se retrouve dans l'équipe type de la Ligue 1, du journal L'Équipe. Oui, oui. Moi, ma grande surprise. J'ai failli le mettre dans les flops, moi, et je ne l'ai pas mis parce qu'il a marqué. Et qui va quand même au combat, au duel. Mais il a une première mi-temps qui est vraiment pas bonne. Et deuxième mi-temps où il est capable quand même d'être décisif et d'amener. C'est du Yacine Adli. Hein. Très, très particulier, avec quand même une mentalité particulière qui peut faire qu'il va être quand même. Il va pas lâcher non plus totalement l'affaire, hein, quand même, sur ce match. Et heureusement, parce qu'on en a eu besoin quand même de joueurs comme ça en deuxième mi-temps. Et c'est tellement dommage, il n'a pas encore cette régularité qu'on attend de lui, et pour moi il n'est pas encore prêt, notamment à partir au Milan, avec des performances comme ça, mais on sait qu'il a le talent, donc c'est à lui d'être beaucoup plus régulier dans cette équipe, en plus qu'il a, il a une place qui... On voit que Petkovic quand même a beaucoup confiance en lui, parce qu'il reste quand même sur le terrain, malgré sa première mi-temps. Il a une telle faculté à être décisif et faire avancer l'équipe, parce que tu parlais des 25 ballons perdus, mais il a aussi 35 passes dans le camp adverse, et personne n'a fait ça dans le match. Il y a des côtés positifs. Mais après, j'ai l'impression qu'il a il y a un écart entre ce que veut Petkovic de lui et ce que lui veut faire sur le terrain. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même de la télé, c'était criant, parce que plusieurs fois, le journaliste bord-terrain expliquait ce que Petkovic disait à Adli, où il demandait d'être plus haut, de jouer en tant que numéro 10. Et Adli, il a passé son temps à récupérer les ballons au rond central et organiser le jeu. J'ai l'impression que c'est un joueur qui a besoin de toucher énormément le ballon, et je le vois pas dans un poste de numéro 10, mais
Ouais, c'est dommage qu'il soit pas aussi régulier, mais je trouve qu'il est quand même indispensable dans cette équipe parce que déjà par sa mentalité, c'est un des seuls qui ne cesse pas marcher dessus. D'ailleurs, j'espère que vous avez tous vu sur le penalty de Briand, quand tous les Rémois se retrouvent autour de Briand, il y en a qu'un seul qui va dégager tout le monde autour de Briand, c'est Adli, alors que pourtant il a 21 ans. Mais je trouve que c'est un joueur important aussi bien dans le jeu que dans sa mentalité. Et je pense que cette saison-là, ça va être la saison de son éclosion dans le sens où ça va lui permettre de prendre en confiance et du galon pour le Milan. Et je pense honnêtement qu'il risque d'exploser là-bas. Joe, tu t'es pas exprimé dessus sur Yacine Adli. Adli, c'est... C'est le leader technique ? Non. Non, mais c'est un joueur qui peut te faire des différences à tout moment. Parce qu'il a une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne, mais c'est un peu quand il veut, on a l'impression. C'est... Moi, déjà, sa première mi-temps, il n'était pas dans le match, il faisait que parler à l'arbitre. Il faisait que râler après l'arbitre. Dès qu'il y avait un truc, une coup de sifflet et tout, il allait voir l'arbitre, il gueulait, il pétait des câbles pour des corners, des trucs comme ça, des touches et tout. Fait. Il n'était pas dans son truc. Après, ça fait du bien hein, aussi d'avoir ce genre ouais, de. Ouais, non, mais c'est, non, c'est vrai, j'ai d'accord. Mais je pense que malheureusement, du coup, quand il est comme ça, ça lui prive de son talent, de sa lucidité. Parce qu'il faut, quand t'es censé être le joueur qui touche le plus de ballons, qui fait le jeu, t'es censé être lucide et mettre ton énergie là-dedans. Il faut pas que tu te disperses pour moi. Sinon, c'est très compliqué. Il y en a qui arrivent, il y en a qui ont besoin de ça, effectivement, pour être bon. Lui, quand il fait ça, il est pas bon. Il faut qu'il arrête avec ça, il est pas bon. Il sort de son match tout le temps. Dès qu'il s'énerve sur telle ou telle chose, il va sortir de son match. Donc après, je pense que Petkovic se trompe avec lui, il veut le mettre numéro 10. Effectivement, je l'ai entendu notamment sur le diffuseur du match Amazon, il disait clairement qu'Adli cherchait le ballon bas et Petkovic n'arrêtait pas d'anglais pour dire « va plus haut, va plus haut ». Sauf que Adli, c'est un relieur, c'est pas un numéro 10. Il va falloir que Petkovic, si ça se le rend dans la tête vraiment, parce que c'est peut-être aussi ce qui crée ce déséquilibre au milieu malheureusement, et qui fait que lui peut être dans le cœur du jeu et justement être la première relance, ce que n'est pas capable de faire Otavio. Donc, si tu arrives à trouver un système où tu as Adli qui est en relayeur et peut-être un mec plus haut, un Dilraw Soon ou je sais pas, un joueur qui a plus sa capacité d'être devant et d'être face au jeu, devant en tout cas, ben là, tu auras trouvé quelque chose d'intéressant. Donc, Adli, pour moi, pour l'instant, il n'est pas bien utilisé. Mais il arrive parfois à être décisif, à avoir effectivement ses réactions. On l'a vu après sur l'interview d'un P-Match, il a répondu voilà comme on l'aime, de manière ouais, c'est cool, voilà, c'est brillant, il a des couilles, machin, tout ça et tout, tatitata. Voilà, c'est ce que tu peux entendre toi avec tes collègues quand tu parles avec tes collègues effectivement après les matchs ou des trucs comme ça, donc c'est plutôt plaisant. Maintenant, il va falloir aussi qu'il se mette beaucoup de, qu'il travaille beaucoup sur son mental et sur son entre guillemets sur, il va falloir qu'il se canalise parce qu'il part un peu dans tous les sens et malheureusement c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à exploser parce que je suis pas certain que cette année encore il explose malheureusement. Gino, tu t'es pas exprimé dessus? Non, ouais, on se plaint de pas avoir de joueurs de caractère. Là, non, oui, ça c'est un côté il est jeune. D'Adli, c'est qu'il a du caractère. Ouais. Et c'est sûr qu'au moins il laisse pas indifférent et puis il prend ses responsabilités. Samuel le dit souvent et ça c'est plutôt vrai. C'est un joueur qui peut louper des choses mais qui joue vers l'avant, qui vient chercher les ballons. Maintenant, qui est très irrégulier. Qui n'a pas toujours sa bonne position, Joe l'a bien dit. Les coups de pied arrêtés en première mi-temps, c'est une catastrophe. Ah oui, alors là, Donc, Yacine Adli nous fait des troisième poteaux, il te fait des trucs. Et après, il est capable de te tirer des corners à des coups francs. On sait très bien qu'il a un bon pied en plus. Mais il n'est pas régulier. Il n'est pas régulier. Donc, on l'attend à un meilleur niveau. Hein. On l'attend. Moi, je l'attends. Moi, je pense qu'il faut être sans concession avec Yacine Adli. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau du jeu, on a un minimum à attendre d'un joueur comme ça. Ah oui, bien sûr. Le côté mental et tout, mentalité, moi, j'aime plutôt. Et après, il a un franc-parler, il est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas trop. Mais c'est en termes de jeu. En termes de jeu, ça doit être le dépositaire un peu de l'équipe. C'est le rôle qu'on lui donne. Donc, c'est à lui d'être au niveau. Pour parler de Petkovic, on voit qu'on a marqué le deuxième but sur une combinaison, sur un coup franc. Coup de pied arrêté. On avait marqué à Marseille avec une combinaison Basicoudin. Quelque chose de travaillé. Calou, brillant. Oui, merci Briand, parce que la passe de Kalou, elle n'est pas du tout simple à marquer. Mais c'est vrai. Bien, même sur la première mi-temps, les corners, il a énormément suscité Petkovic pour qu'il les joue à deux, les joueurs. Donc je pense que c'est des choses qu'ils ont travaillées. Bon, ça va apporter ses fruits, mais je pense qu'il doit y avoir un travail et ça fait du bien d'être dangereux sur coup arrêté. Ça offre deux possibilités. Bien sûr. On peut dire aussi merci à la défense de Reims quand même parce que ils sont tous alignés, tu vois. Je comprends pas comment personne n'a pu réagir à ce niveau-là parce que, tout le monde le voit. Même les commentateurs, ils disent attention, la passe à rentrer juste avant le coup franc. Tout le monde le voit. Ce qui va se passer. Oui. Et les Rémois, ils réagissent pas du tout. C'est un cadeau qu'ils nous font aussi. Tableau d'honneur, messieurs.
Est-ce que vous mettez un joueur dans le... Il y a un Gigi ou un Marc Planus là, non? Oui. Ah, Gigi, c'est brillant quand même. On ne peut pas passer au travers. Gigi du match. Ah oui. Ah ben oui, Gigi du quand match. Même. Quand même. Est-ce qu'il y a un taulier comme Marc Planus? Ce qui est dommage, c'est que c'est sur 20 minutes, quoi. C'est un joueur qui ouais, qui apporte sur 20 minutes. Il fait une différence énorme quand même. On est d'accord. Après, moi... Moi, celui que je mettrais en taulier, enfin en Planus, c'est Costil qui, apparemment, dans le vestiaire, a tensé un petit peu tout le monde et a repris le brossard de capitaine derrière. Et il ne fait pas un match fabuleux, hein, mais il a quand même répondu présent. Il a fait quand même un ou deux arrêts décisifs quand même. Et une fois, c'est lui qui ramène un peu les troupes, j'ai l'impression, à la mi-temps. Il entame deux secondes mi-temps et un peu meilleur que ce qu'on a vu en première mi-temps, notamment en plus. Donc voilà, mais on va en parler après justement de Costil, mais Costil, je le mets en taulier grandement parce que c'est le seul leader pour moi qu'on ait. Donc voilà. Justement, en plus, il y a une des actions qui m'a marqué, c'est en deuxième mi-temps quand Bordeaux fait tourner le ballon à 2-1 et qu'ils n'arrivent pas, c'est Medioub et Gregersen qui sont des passes un peu à droite à gauche. En fait, il n'y en a aucun qui ose faire une passe laser et c'est Costil qui va récupérer le ballon limite à côté d'eux pour pouvoir tenter une passe un peu plus risquée. Donc ouais, dans l'attitude, Costil, il n'y a rien à dire. Et encore une fois, il a fait 2-3 parades sur une matière de Bilal Touré ou sur des face-à-face. Ouais, sur cette saison-là, il te sauve quand même pas mal de buts. Et malheureusement, cette équipe n'arrive toujours pas à avoir de clean sheet. Donc il ne doit pas dormir bien toutes les nuits. Les amis, vous êtes presque 400 hein, sur YouTube. Envoyez-moi du like, là. On devrait être au moins à 250 likes. Si vous êtes là, c'est que vous aimez goûter ce qu'on dit, hein, ce que disent les chroniqueurs avec ces... Très très bonnes analyses. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à ma famille qui nous regarde. J'ai reçu un message de ma maman. Il y a tout le monde qui nous regarde. Donc, voilà, je fais un petit coucou à la famille. Bon salut ta maman Joe. Messieurs, Antolier beaucoup parle de Gregersen. Très bon. C'est des bons matchs. Hein, qui s'améliore au fur et à mesure des matchs. Je trouve un joueur très un peu moins bien là, sur ce match-là. Justement, il y a un moment donné où il fait une. Je crois que c'est en seconde mi-temps où il veut dribbler un joueur. Il tombe, je sais pas quoi. On s'en obtient une faute, mais je sais pas si c'est la faute. Il m'a quand même semblé parfois un peu plus en difficulté que sur les deux matchs qu'on avait vus précédemment où il était vraiment intéressant. Après, voilà, il vient juste d'arriver. C'est pareil. Je pense pas que malheureusement il puisse être. Et je pense pas non plus que ce sera un grand joueur. Mais par contre, ce sera un joueur efficace, clairement, notamment sur le marquage individuel. Ce sera un mec qui sera présent et qui n'est pas mauvais dans les relances quand il est en confiance, quand même. Ça peut progresser, hein, Joe, il est jeune. Hein. Oui. Et qui a aussi 26 ans, hein. Il n'est pas tout jeune, attention. C'est pas... Il a une bonne capacité à porter le ballon aussi. Je trouve que c'est très intéressant. C'est un profil qui a été bien trouvé pour le coup. Mais il a moins fait, il me semble, sur ce match-là. Je n'ai pas le souvenir de le voir percuter comme il a pu le faire sur le match précédemment, justement, où des fois, il... Ouais. Voilà. Mais non, je pense qu'il faut qu'il soit bien entouré quand même. Mais, bizarrement, quand il a, je trouve d'ailleurs meilleur axe droit, parce que quand il joue avec Koscielny, il est plus libre à droite. Ouais. Là, on l'a vu avec Medioub, quand il était axe gauche, il avait beaucoup plus de difficultés, notamment sur cette perte de balle où il fait faute et la faute, elle est pas libre. Allez, messieurs, on va parler de Benoît Costil. Donc voilà, on a commencé une petite série hein, avec les joueurs qui sont en fin de contrat aux Girondins de Bordeaux, et il y a Benoît Costil. Hein. Est-ce que Bordeaux doit prolonger le contrat de Benoît Costil? 34 ans, 1m88, à Bordeaux depuis 2017, en même temps qu'Otavio, hein, dont on a parlé la semaine dernière, fin de contrat juin 2022. Il a une valeur marchande encore là, aujourd'hui, qui est estimée par Transfermarkt à 2,8 millions d'euros. Je vous donne la parole, les uns après les autres. Gino, qu'est-ce que tu en penses? Comment Bordeaux doit gérer ses gardiens de but et en particulier Benoît Costil? Ben moi je pense oui, à l'heure actuelle, je prolongerai Benoît Costil pour plusieurs raisons. Le côté sportif, le côté où pour moi il est vraiment inclus dans le club. Il est plutôt bien dans la ville, il l'a récemment dit. Et puis on est dans un cycle où on n'a plus l'opportunité comme on l'a eu par le passé d'avoir Bernard Donny, qui pouvait être un nouveau cycle entamé par le club avec une équipe qui changeait et partir sur un cycle de nouveaux gardiens. Et pour moi, la succession de Costil, si on l'a plus, elle est vraiment pas assurée derrière, ou en tout cas, j'ai aucune garantie pour ma part. Donc, je pense que c'est peut-être la bonne chose de garder de la stabilité à ce poste-là, qui est un poste important et où on a eu souvent des gardiens qui se sont pérennisés dans le temps, et ça a été plutôt une réussite pour nous. Donc moi, je serais plutôt pour prolonger Benoît Costil. Anif.
Écoute, sur ces débuts de saison-là et sur la saison dernière, je te dirais qu'il faut le prolonger parce que c'est une de tes seules certitudes sportives en Ligue 1, en tout cas. Maintenant, je pense que ça dépendra de ce que Bordeaux pourra essayer de récupérer. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir commencer déjà à préparer la suite. Gaëtan Poussin a été plutôt intéressant, mais enfin, il doit jouer pour pouvoir être en mesure de devenir un joueur numéro 1. Je trouve que c'est un cas un peu similaire à Mandanda à l'OM, où c'est un gardien qui rapportait énormément de points. Mandanda et l'OM a fait le choix d'investir sur quelqu'un d'autre à un moment donné, et pour l'instant ça porte ses fruits puisque Paulo Lopez est vraiment un des très bons gardiens du championnat. Je pense que Benoît Costil, il arrive à un moment où il est toujours bon et il a que 34 ans. Donc pour moi, je le prolongerai, mais je pense que c'est peut-être trop tôt maintenant parce qu'ils n'ont pas encore la capacité d'avoir un gardien peut-être meilleur et qui apporte, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir couper avec cette équipe, entre guillemets, de la loose, puisque Benoît Cossé en a fait partie, même si sportivement, il a toujours été régulier, mais je pense qu'il faut aussi penser à l'avenir et aller sur un autre projet. Et je pense qu'il faudrait pour moi le prolonger, mais avoir un gardien capable d'être numéro 1 en même temps. Très bien. Joe? Moi, je pense que tu peux le prolonger. C'est un gardien. On voit que les gardiens terminent de plus en plus tard. Et c'est pas un joueur qui est souvent blessé en plus. Donc, tu sens que l'hygiène de vie est plutôt pas mal. Donc, je pense que tu peux encore compter sur lui, au moins pour 3 saisons, jusqu'à ses 37, 38 ans. Donc, si tout va bien jusque-là. Donc, oui. Enfin, c'est comme on l'a dit, c'est l'une des rares valeurs sûres que tu as dans ton effectif. Depuis qu'il est arrivé à Bordeaux, j'ai envie de dire le pauvre, parce que pour moi, il méritait quand même mieux dans sa carrière. Je pense que c'est un joueur qui peut être, qui mérite mieux que les Girondins de Bordeaux actuellement. Il aurait pu avoir une carrière beaucoup plus intéressante, notamment européenne. Il est toujours là, il est toujours efficace, il est capitaine. C'est l'un des rares joueurs, j'ai l'impression qu'il a la gagne. Et moi, ça me plaît. Pour moi, il fait pas partie de cette équipe de la loose, comme le dit Hanif. Pour moi, c'est plutôt l'un des joueurs qui nous a sauvés, justement, au contraire. Et il mériterait clairement au Girondin d'avoir une saison où vraiment tout se passe bien pour lui, où l'équipe gagne, où les supporters sont derrière lui, parce que quand il est arrivé à Bordeaux, l'après Carasso était très compliqué pour lui. On se rappelle les premiers mois où il était quand même pris un petit peu à partir alors que lui n'avait rien demandé par rapport à ça. Donc il mériterait quand même effectivement qu'il se passe quelque chose d'intéressant pour lui à Bordeaux. Est-ce qu'il a envie de rester? Je sais pas, on sait qu'il y a eu des discours parfois qui pouvaient poser question à ce niveau-là. Maintenant, si on lui propose un projet où les Girondins peuvent devenir une équipe qui peut être européenne, où il se fait plaisir sur une saison où l'équipe gagne et que c'est l'un des leaders, moi je dis oui, parce que au moins pour le bonhomme. Voilà. Parce que je trouve qu'humainement, c'est malgré Oui, tout, rien c'est à dire. quelqu'un qui, voilà, qui est présent, il est très professionnel, il est haut niveau, et c'est l'un des rares qu'on a actuellement. Donc ça serait bien qu'il soit récompensé quand même malgré tout. Voilà. Bon, ben très bien, messieurs, c'est unanimité, Conan. Tu peux donner ton avis aussi, Alors les amis du chat. moi personnellement, je dis oui, mais je suis un peu de l'avis de Hanif aussi et de l'avis de beaucoup de chatters, qui est Costil, d'accord, il nous a bien sauvés, il mérite d'être prolongé au niveau sportivement, après au niveau plus-value marchande, je ne pense pas. Et il nous a pas mal sauvés, si on est toujours en Ligue 1, on sait très bien aussi que c'est grâce à lui en grande majorité. Maintenant, il faut aussi penser à l'avenir. Faut penser aux jeunes. On a Poussin qui, depuis longtemps, est derrière et ne joue malheureusement pas beaucoup de matchs. Même on a pu voir sous l'ère KS que lors des matchs de coupe, au final, c'est Costil qui a repris la place sur les derniers matchs alors que ça devait être Poussin. Et comme on dit certains sur le chat, faut parler d'avenir. À quoi servent tous ces jeunes si on les aguerrit pas un peu plus, quoi. Au niveau économique, faut voir aussi s'il rentre dans le projet. S'il y a prolongation de contrat, ça sera certainement avec un salaire inférieur à celui-là. Oui, bah, bien sûr. Je Ça, pense. bien sûr, il le sait de toute façon. Très très gros salaire, hein, Benoît Costil, hein, dans le vestiaire bordelais. Hein. D'ailleurs, Oui, ça peut pas être. beaucoup, beaucoup ont dit, est-ce que lui, il veut prolonger aussi? La question se pose. Oui, il est plutôt pour. Hein. Les dernières déclarations étaient plutôt pour. Hein. Exactement. Sur Disons RMC, qu'en plus, il l'avait dit. je pense que si, enfin, je pense que Koscielny partira cet été. Et je pense qu'il aura un peu ce rôle central du vestiaire qui lui manquait et
et qui convoitait depuis quelques temps déjà maintenant. Je pense qu'il a déjà, moi. J'ai l'impression que, qu'il a plus de leadership que Koscielny. Hein, moi, clairement. Oui, bah, Koscielny n'a jamais été un grand leader D'accord. de vestiaire, mais on le sait, l'année dernière, la perte du brassard a totalement détruit Costil en début de saison. Et d'ailleurs, à la fin, il se concentrait que sur lui. Il s'en foutait un peu des prestations de l'équipe. Mais tu sens qu'il, même dans le vestiaire, il parlait plus, etc. Oui, c'est sûr que d'un point de vue personnalité, par contre, il n'y a vraiment rien à dire. Il est encore sélectionné en équipe de France. Donc, ça montre aussi que c'est un très grand professionnel. Et comme Jimmy Briand tout à l'heure, on le disait, c'est quelqu'un sur qui on peut s'inspirer d'un point de vue comportement. Mais après, je pense qu'il faut aussi penser à l'avenir. Mais tu n'es pas obligé d'avoir un gardien de 22, 23 ans pour penser à l'avenir. Hein. Mais au moins avoir quelqu'un capable de le concurrencer en tant que numéro 1. C'est pas très bon la concurrence entre gardiens, on le voit au PSG actuellement. Ça n'a jamais été très bon. Moi, j'ai pas le souvenir de voir une concurrence précise entre gardiens qui fonctionne. Si tu n'installes pas vraiment un gardien, au début de la saison, il y a. Bah, c'est risqué. Ça peut être bon. Après, naturellement, on l'a vu avec Marseille, je recite l'exemple, mais Paul Lopez et Mastel Mandanda, ils sont arrivés. Enfin, Paul Lopez est arrivé entre guillemets pour concurrencer Mandanda et au fur et à mesure, il a pris sa place. Donc, je pense que ça sera au plus méritant. Après, Benoît Costil a encore beaucoup de très bons restes. Donc, Oui, mais ça a été rapide. C'est-à-dire que Paulo Lopez, on a très vite vu que ça allait être lui qui allait prendre le poste de numéro 1, Mandanda qui est passé en numéro 2 dès le premier mois. Donc après, voilà, c'est pour ça. Mais sur toute une saison, l'alternance, ça me paraît trop compliqué. Donc il y aura un autre gardien quand je pense qu'Austin partira. Pour moi, je pense pas qu'il y en aura un avant, parce que même financièrement, je pense pas qu'on ait les moyens de toute façon de le faire. Voilà. Bon, très bien, messieurs. Mais merci pour ce petit tour sur Benoît Costil. On passe au troisième thème de ce talk. Merci à vous de nous suivre. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. C'est gratuit, bien sûr. Petkovic doit-il reconduire Tom Lacou face au PSG, face à Paris? Qu'en pensez-vous? Il a prouvé, de mon point de vue, qu'il avait sa place dans le milieu. Hein. Gino, que penses-tu de cette question? Le Bordelais, Tom Lacou. Non, mais on en rigole, mais ce côté identitaire est fibre par rapport au club, hein, parce que tu peux l'avoir aussi en ne venant pas de Bordeaux. Mais je pense que c'est important qu'on construise avec des joueurs comme ça, en tout cas des cadres et des piliers dans l'équipe qui soient aussi attentifs au club. Et Tom Lacou, pour moi, vu sa prestation, et ce qu'il a pu faire pour un premier match, je ne serais pas étonné que Petkovic le reconduise. En plus, avec peut-être un milieu différent, avec peut-être pas Franck Sergio, justement, mais que Tom Lacou prenne une place dans ce 11. Ça me paraissait assez logique par rapport à ce qu'il a fait, et en termes d'état d'esprit, notamment, malgré que physiquement, ça a été dur sur la fin. Et voilà, moi, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait de bonnes choses dans sa prestation. Et ce match du PSG qui n'est pas... pour moi, le match le plus important de l'année, parce qu'on se dit tous que ça va être quand même compliqué de faire un résultat. Donc, pour moi, il n'y a que du positif à mettre Lacou sur un second match comme ça. Et tu le mets à la place de qui, au milieu? Ben moi, je le laisse, et peut-être que Franck Sergio ne démarre pas la rencontre, hein, pour moi, très clairement contre le PSG, et qu'on a un milieu différent à ses côtés, hein, que ce soit Otavio ou Onana, par exemple. Et voilà, avec un milieu de terrain un peu différent. D'accord. Très bien. Allez, messieurs, Tom Lacou, je vous ai préparé la petite infographie, hein, sur Tom Lacou, 19 ans. Alors, je ne sais pas qui met son ordinateur derrière avec du son. On entend. Ah, qui c'est qui met sa vidéo derrière? Les gars, faut couper le son. Pas moi, pour le coup. C'est pas vous? Je m'entends parler. Ouais, j'entends aussi. Ouais. Moi aussi. Pareil. Ouais. Bon. Hop, je coupais le micro de Conan, ça doit être Conan. il va dire, oh, c'est encore moi. C'est honteux. C'est honteux, c'est toujours moi, Nico. À chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, c'est moi. Ah ben d'ailleurs, je coupais ton micro, il n'y a plus le bruit. Non, je remets ton micro, Conan, pardon. J'espère. Voilà. Ah, voilà, on t'entend. Non, Tom Lacou, 19 ans, 1m75, né à Bordeaux, un match cette saison, fin de contrat, 2024, valeur 1 million d'euros. Quel est votre avis? Mais comment tu l'as trouvé, toi, à Nif, face à Reims? Et que penses-tu de la possibilité de le maintenir dans le 11 face au PSG? Alors, moi, je l'ai trouvé très bon face à Reims. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce qu'il apporte aussi autant, surtout en n'ayant pas joué de la saison.
Mais il a été très intéressant d'abord dans l'envie, parce que forcément il devait prouver, et même quand il a eu le ballon, ouais, c'était un joueur capable de faire avancer l'équipe et qui a fait quelques bons choix. Bon, bien sûr, il a quand même encore quelques difficultés parfois, et on sent que c'est un joueur qui gratte un peu moins de ballons dans les pieds comme fait Otavio, mais je trouve qu'il a un profil différent et qu'il est plutôt très intéressant à la récupération. Je pense qu'il peut apporter quelque chose d'autre, une profondeur différente, et qui, je trouve qu'il a quand même une bonne capacité à couvrir les espaces. Il court énormément sur le terrain, et donc ça fait toujours du bien, et il est beaucoup plus rapide que Otavio. Donc des fois tu vois dans les déplacements que c'est un joueur qui est capable de couvrir des appels ou quoi plus facilement que Otavio. Après, pour le conduire face à Paris, honnêtement, je sais pas si Petkovic va prendre ce risque là parce que avec Paris tu peux vite exploser. Il peut surfer sur la confiance et se dire que la coup sur un match comme ça, il peut continuer. Moi perso, je ferais le choix d'Otavio et je remettrais Onana, enfin je remettrais les deux au milieu, parce que je me dis qu'il y aura forcément un peu besoin d'expérience, et que dans ce genre de match là il faut un peu plus de vis qu'à Otavio, et que n'a pas encore la coup. Mais je trouve que la coup, c'est, il a gagné en tout cas sa place dans la rotation, et que c'est un vrai joueur, c'est un vrai milieu de terrain sur qui tu peux compter cette saison. Joe, t'es d'accord sur ce que vient de dire Anif? Parce qu'en termes de vice, est-ce qu'il en a beaucoup, Otavio? C'est compliqué après de comparer les deux joueurs, parce que déjà, la couche, je trouve que c'est un joueur qui va quand même de l'avant avec le ballon. Alors, il y a du déchet, ouais. On l'a vu, et parfois, il y a notamment en mi-temps où parfois il fait des passes, il perd le ballon, mais au moins il essaye, comparé à Otavio. Maintenant, dans la récupération, Otavio, effectivement, est un peu meilleur, sauf qu'en depuis le début de la saison, Otavio est quand même assez fantomatique. Donc, je pense pas que contre le PSG, Otavio sera bien meilleur que ce qu'on a pu voir, sauf si Paris le transcende et que voilà. Ah, c'est là, ça, moi je me méfie des matchs contre Paris, parce que tu sais très bien que les joueurs jouent leur vie à chaque fois. C'est ça, c'est un match différent pour eux, donc c'est un match de gala pour eux aussi, donc ils ont envie de répondre présent et de mater les gros. Maintenant, la coup, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est 90 minutes contre le PSG, ça me paraît trop compliqué pour lui. On l'a vu, les crampes à la fin, ouais. Même en fin de première mi-temps, moi il avait disparu, la coup, quand Bordeaux n'était pas bien, la coup non plus je ne le voyais plus à ce moment-là. Donc le dernier quart d'heure, donc la problématique est là. Est-ce que tu le mets d'entrée? J'ai envie de te dire oui, parce qu'il a quand même apporté quelque chose de différent et un plus comparé aux autres milieux qu'on a pu voir depuis le début de la saison. Maintenant, avec qui et comment? Je pense que le système au milieu sera à revoir aussi. Est-ce qu'il faudrait deux sentinelles pour vraiment protéger la défense, deux mecs qui restent vraiment en place, Lacou, Otavio, et on bétonne et puis voilà? Ou est-ce qu'il te faut un Lacou avec un Onana et un Adli en relayeur, mais qui est un peu plus bas que, on va dire qu'en numéro 10, un milieu à 3, quoi, du coup, classique, avec une sentinelle et Onana et Adli un peu plus haut. Pourquoi pas? Maintenant, 90 minutes pour Lacou, ça va être très compliqué contre le PSG. On va pas se le cacher, hein, ça paraît un peu compliqué, même s'il a que 19 ans, donc tu te dis, il peut courir, hein. Mais l'intensité, etc., il faut la tenir. Ouais, c'est ça, c'est plus simple que sur l'intensité. Maintenant, personnellement, pour rappeler les statistiques de Otavio, il faut rappeler que Otavio ne fait jamais des gros matchs quand on joue les grosses équipes. Et personnellement, au final, je mettrais peut-être la coup à ce niveau-là plutôt qu'Otavio. Je vois pas l'intérêt de remettre Otavio titulaire, nous dit Cyril. Il faut le faire rentrer vers la 60e. C'est vrai qu'Otavio est tellement fantomatique. Et alors, le seul petit, c'est peut-être la condition physique de Lacou, mais on va voir ce que fait Petkovic. Mais... Ça peut lui faire du bien, Otavio, en plus. Hein. Ouais, c'est ça. Prendre un petit coup derrière la tête. Hein. Mais oui, exactement. Parce qu'ils sont installés, lui aussi. Il est trop installé. Si ça prolonge. Il était installé parce qu'il y avait des blessés. Lacou était blessé, Sissoko était blessé. Quand il y aura tout le milieu, tu auras peut-être un peu. C'est le seul qui avait, avec Lacou, c'est le seul qui a le profil du 6 récupérateur. Mais on l'a vu qu'à l'époque, quand Poyet l'avait remis sur le terrain et qu'il était totalement hors du groupe, c'est là qu'il a livré ses meilleurs matchs, parce que c'était un joueur qui était dos au mur et qui avait pas le confort là. Là, on sait très bien que même dans ses déclarations, tu sens qu'il estime avoir un statut suffisant pour. C'est ça. Pour être titulaire et être un des leaders de l'équipe. Donc, Exactement. C'est exactement. Et je trouve que Lacou a un tempérament de guerrier. Et je rappelle que, et ça c'est bien utile au collectif bordelais, il lâche rien. Et je rappelle que face à Paris, t'as Paredes qui sera pas là, t'as Verratti qui sera pas là. Bien sûr. Au milieu de terrain. Bon, ils ont de la ressource. Hein. Non, mais ça peut changer. Non, mais Nico, c'est une très bonne anecdote. Parce que pour moi, l'un des joueurs qui nous fait le plus mal sur des matchs comme ça, c'est un profil à la Verratti, qui est un joueur très technique qui nous fait énormément de balles.
Et bien il vaut sûr, mieux qu'on ait des profils comme Herrera en face de nous, comme aussi Danilo. Le portugais Danilo, qui sont plus dans le physique, le côté physique, le côté impact, qui nous feront moins mal quelque part que des joueurs qui sont capables d'avoir du ballon. Et que après, nous, après, bon, tu as Neymar, tu as Rafinha aussi qui est capable d'avoir du ballon. Niveau offensif, oui. Dans la zone du milieu de terrain, je te parle. La zone ouais. Il va les bouffer. Il y a Olivier sur le chat, il met Onana suspendu. Non, Onana ne sera pas suspendu. En fait, Petkovic, s'il n'y a pas de blessé, aura le choix entre Otavio, Onana, Fran Sergio et Lacou. Et Adli. Mais Adli, il le fait jouer plus haut. Donc, je sais moi si qui nous le... écoute ce soir encore et qui comprend. Salut Vladimir. Voilà, donc bon, messieurs, donc bon, vous êtes partagés hein, quand même. Hein. Et ça serait aussi intéressant de savoir s'il compte sur un vrai neuf face à Paris ou s'il reconduit Elis, parce que une des certitudes qu'il y a eu en fin de match, c'est que Elis à droite, ça fonctionnait plutôt bien parce que bon, pour le bouger, il faut quand même s'y mettre à deux et ça permettait de libérer un peu Pembele aussi. Donc, est-ce qu'il va essayer de remettre Elis, sachant que dans un match comme ça, il va y avoir des espaces? Ou est-ce qu'il va essayer de mettre un attaquant? Faudra voir si Briand, peut-être ça sera la surprise, ou si Niang sera apte. Mara peut-être aussi. Ou Mara, ouais, exactement. Mmh. Comment gérer? Du coup, ça fait la transition parfaite pour notre dernier thème. Comment gérer le match face au PSG? On a parlé de l'attaque, on a parlé du milieu de terrain. Qui c'est qui veut se lancer là-dessus, Joe? Je te sens chaud là. Je sens que tu commences à piquer du nez. Il y a ta soirée d'hier soir là qui commence à te taper derrière la tête. Non, ça va. Je tiens le coup, ça va, tout va bien. Comme a dit Charles Amoris, comment déjouer le Paris? Comment déjouer Paris? Mais tu sais très bien que Paris, Bordeaux, ils sont jamais très flamboyants non plus. On sait très bien que Paris. Va pas arriver en se disant on va à Bordeaux, on va s'amuser, etc. Tu sais que Paris, ils vont un petit peu à reculons faire ce match-là, on le sait. Donc, on aime bien les emmerder, les Parisiens. On l'a vu, on a souvent fait des résultats au Parc des Princes, un peu moins chez nous, on a déjà réussi à les gagner sous l'air Qatari. Maintenant, on voit, on a vu cette équipe. Hein. Si on fait le même match contre Reims, on en prend 5 et c'est réglé. À la mi-temps, il y a 3-0 et c'est réglé. De Paris accélère deux fois, c'est plié. Ouais. Donc, il va falloir. Mais je pense que les joueurs. Bizarrement, sur ce match-là, vont être concentrés d'entrée. Je l'espère en tout cas. Voilà, il y a un match à jouer. On dit souvent, bon, il y a Paris, après on verra. Moi, je dis, il y a d'abord Paris. Le reste, je m'en fous de ce qui se passe après. Moi, clairement, il y a un match contre Paris. Tu as 3 points en place, tu peux les prendre, prends-les. Je ne dis pas qu'on va le faire absolument. Mais ça ne sert à rien d'y aller en se disant, les gars, on va se faire éclater et puis basta. Non, il faut tenter quelque chose, effectivement. Est-ce que physiquement, on va réussir à tenir le coup, à répondre présent? Je ne suis pas certain non plus. Mais voilà, Paris va être diminué, Paris va arriver après un match de Ligue des Champions, Paris, la Ligue 1, c'est pas leur tasse de thé, on voit qu'ils gagnent, mais c'est très très compliqué pour eux, ils arrivent toujours à gagner à l'arraché, donc on peut les embêter, puisqu'ils seront pas vraiment à fond dedans, donc déjà s'appuyer sur ça et leur dire, ça serait bien d'avoir une équipe qui rentre dedans, pas comme l'an passé où le match était très très, on s'endormait devant le match, je me rappelle, notamment le match à domicile, on perd 1-0, je crois, il se passe pas grand chose dans le match. Voilà, ce serait bien qu'il y aura un stade plein. Bon, la moitié du stade sera pour Paris, malheureusement, mais il y aura un stade plein. Donc, et puis une équipe qui peut jouer, qui peut gagner la Ligue des Champions en face. Donc, c'est un match de gala pour les joueurs. Donc, c'est le moment pour eux de montrer aussi un petit peu, de montrer que ce ne sont pas des clampins comme on peut le penser régulièrement depuis le début de la saison. Voilà. Je rappelle que Paris joue mercredi contre Leipzig en Ligue des Champions. Donc, ils rejouent samedi. Le match, c'est samedi. Donc, ils ont l'effectif pour faire tourner. Pour ce match de Ligue des Champions, Mbappé et Messi sont incertains. Mbappé sera là. Il sera là pour la Ligue des Champions, d'accord. Ouais. Donc, on peut penser, on verra ce que fera Pochettino. Là, vous avez parlé d'état d'esprit. Mais en termes de jeu et d'organisation, qu'est-ce qu'il peut faire, Gino Petkovic? Reconduire la même équipe que celle qui a été victorieuse, qui a terminé le match face à Reims? Est-ce qu'il peut faire ça? Moi, je pense que oui, avec des petits ajustements, notamment au milieu de terrain. Tu vas avoir des profils, par exemple, assez défensifs, peut-être, dans son milieu de terrain, avec deux profils vraiment bien défensifs. Après, Elis, je pense à droite, ça peut être une solution. On n'est pas à l'abri en attaque, pour moi, au poste de numéro 9. Peut-être qu'il peut tenter quelque chose, hein. Ça peut être intéressant. Voir si Niang est peut-être capable de faire, je ne sais pas, 20 minutes ou 25 minutes en fin de match. Ça peut être aussi quelque chose de pas mal. Donc non, moi déjà, la meilleure préparation pour moi, elle est venue aussi d'avoir ce résultat positif qui ne te met pas une grosse pression sur ce match. C'est-à-dire que déjà, de gagner comme ça à la fin, en termes mental, tu n'abordes pas le match de la même manière pour moi.
Et Adli l'a dit, après, il faudra qu'il soit à 150% sur ce match, que Paris soit un peu moins bien, et pour qu'on espère faire quelque chose au niveau résultat. On sait que ça va être très compliqué. Mais pour moi, la pression, elle n'est pas énorme, justement, sur ce match, paradoxalement. Parce que, quelque part, le match de Reims correspondait plutôt, pour moi, à quelque chose où vraiment, tu avais besoin de résultats. Et ce match de Paris, il est vraiment différent des autres. Je vous ai affiché le classement. Donc, reconduire Elis à droite, tu mets qui en pointe? C'est là où Anif t'a posé un bon, une bonne question. Il y a le milieu de terrain. Bon, là, il a le choix, mais en pointe, il n'a pas tellement le choix. Moi, je pense que ce sera Elis, malheureusement. Oui, je pense que ce sera Elis et je pense qu'il va mettre. Moi, je pense même qu'il peut, s'il est un peu frileux, qu'il peut reconduire Oudin pour sécuriser un des couloirs et voilà. Mais tu penses pas que sur la forme il peut pas essayer de changer justement avec les joueurs qui sont plutôt bien rentrés, c'est-à-dire peut-être mettre Kalou d'entrée de match? Honnêtement, moi je pense que il peut le faire, surtout que on est arrivé, c'est le pari le plus faible de ces dernières années pour moi, c'est le plus prenable. Malheureusement, on est une équipe des plus fins, on est le Bordeaux le plus faible et tout, mais je pense qu'il y a moyen de faire un coup dans un stade plein, dans Paris. C'est un match spécial, les joueurs ils se donnent à fond. T'as Pembélé qui joue contre son ancien club, t'as un peu à l'image de Ben Arfa l'année dernière ou qui était devenu Messi l'espace de 45 minutes. Mais je pense que ouais, l'équipe est capable. Et d'ailleurs, on parlait un peu de la manière dont ils voient ce match. Je sais pas si vous avez vu la déclaration d'Adli sur ce match là où il a expliqué que il considérait même pas ça comme un des matchs de la saison. Et je vais vous dire, je l'ai en face de moi la déclaration. Il a dit, pour prendre quelque chose, il faudrait faire un match extraordinaire et que eux soient totalement ailleurs. Eux, 10 minutes leur suffisent pour gagner un match. Donc, ça prouve bien l'idée qu'ils ont de ce match-là. Mais je pense que... Un beau discours de loser, comme tu dis. Ouais. Je pense que Petkovic va tenter un coup, mais je pense pas que ça soit offensivement. Je pense plutôt que ça sera mieux de terrain. Mais je pense que, de toute façon, Elis, ça sera le seul joueur capable de tenir entre guillemets 90 minutes sur le front de l'attaque. Sakoumara, ça sera trop léger pour tenir face à une défense et je pense qu'il essaiera d'avoir un Oudin sur un des couloirs pour verrouiller et il laissera Dilrosun ou voir Kalou, pourquoi pas tenter Kalou, mais j'ai des gros doutes sur sa capacité à être bon en tant que titulaire. Ouais, le discours, ouais, je l'avais pas vu moi cette décla. C'est vrai que si tu vas déjà en victime, alors après ils sont réalistes. Hein. Mais Petkovic peut peut-être travailler sur le mental, du coup, Joe. Oui, mais non, mais il essaye, mais moi, cette déclaration, elle me dérange. Ça montre vraiment le manque d'ambition qu'on a. Il commence sa déclaration par ce match, on n'en parle même pas. C'est pour dire que. Mais qu'ils n'en parlent pas avant, c'est normal. Mais il faut qu'ils en parlent maintenant, pas avant, ça sert à rien, ça, on est d'accord. Il faut qu'ils en parlent quand ça vient, le match. Ça, Je pense qu'il dit ça dans le sens où, comptablement, ils font pas leurs calculs sur les matchs de Paris. Parce non, mais bien sûr. Mais ça sert à rien de faire des calculs avant, de toute façon, ça dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu vas affronter Reims, peut-être que tu les affrontes il y a 2 mois, les mecs, ils seront sur 5 victoires d'affilée, c'est pas le même match que tu vas faire maintenant. Donc, de toute façon, évidemment. Ça va se dire. Voilà, donc fait les calculs d'apothicaire, pour moi, ça sert strictement à rien. De toute façon, donc, ce match-là, tu sais que tu as 3 points en jeu. Ben voilà. Peu importe. Après, tu connais l'adversaire. Enfin, ça, tout le monde les connaît maintenant. Pareil, il n'y a pas besoin de le présenter. On sait ce qu'on a en face. Putain, mais justement, tu n'as rien à perdre. C'est-à-dire que eux, concrètement, s'ils passent à côté du match, ils vont se faire fracasser par la France entière. Nous, si on perd, personne n'en parlera. On n'aura rien à foutre, hein, donc, de toute façon. Donc, à un moment donné, la pression, elle n'est pas du tout sur les... Il faut aborder ce match sans pression et se dire. Putain, on peut se faire plaisir. Et puis merde, quoi. Voilà, qu'on essaie de créer quelque chose dans ce stade. De créer une ambiance au bout d'un quart d'heure de jeu où on y va, où on rentre dedans, où ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça à Bordeaux. Putain, le match. Qui emmène tout le monde, c'est dans le même sens et qui te fait dire, il y a peut-être se passer quelque chose aujourd'hui. Ça fait très longtemps moi que je l'ai pas vu à Bordeaux. Et c'est l'occasion sur ce type de match-là. Donc, qui peut être un match référence dans le sens où tu te dis que ben, tu montres que tu as un niveau qui est un peu plus intéressant que ce que tu montres depuis. Si tu arrives à faire un résultat contre Paris, même ne serait-ce qu'un match nul où tu les mets vraiment en difficulté, je pense que ça peut vraiment te lancer de ta saison. Donc, on a tout à gagner sur ce match-là. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc, pas ce discours-là, quoi.
Ou alors tu dis rien, quoi. Tu te tais, tu travailles, tu prépares et puis tu répondras sur le terrain. Voilà, c'est tout. Je voulais vous remontrer le classement. Il arrive. Et je regardais, j'avais mis un sondage sur YouTube. Je ne vois plus le sondage. Il a disparu. C'était très partagé, mince. Mmh. C'était très partagé sur les résultats de ce match. Bon, on ne va pas y arriver à mettre le classement. Hein. Je ne vais pas y arriver, les amis. Non. On va voir. Hop. Mmh, voilà. C'est bon. Bordeaux, c'est... Non, bon, on va pas y arriver, c'est pas grave. Bordeaux 16e. On est mieux, on Bordeaux est mieux. Bordeaux a bien fait de gagner quand même. Bordeaux a bien fait de gagner. Clairement. Parce que on affronte Brest après, un adversaire direct pour le maintien. Brest a gagné Monaco en plus. Ouais. Et oui, c'est ça. Bordeaux a eu la chance que Saint-Étienne-Metz, c'était le score idéal, puisque aucune des deux équipes n'a avancé. Donc là, l'écart se creuse un peu plus avec les deux derniers. Mais c'est clair que. T'es vraiment ric-rac là, avec Reims qui a 11 points, et t'as Brest qui a c'est gagné clair. Pour la première fois de cette saison aussi face à Monaco. C'est clair. Comme quoi, des équipes, c'est. Comme quoi, si ça prouve que certaines équipes sont capables de passer au travers. Hein. Monaco, ça fait longtemps qu'on ne les a pas battus. Brest y arrive. Mais il va falloir réussir à prendre des points contre les adversaires directs au maintien, comme vous l'avez dit. Même si ça fait mal de dire que Bordeaux joue le maintien. Mais si tu gagnes, par exemple, contre Paris, ce qui n'est pas possible, hein, quasiment. T'as 15 points et 15 points, ouais, c'est ça. 15 points et 15 points, tu remontes déjà à la 13e place. Donc, Regardez, je vous ai affiché le calendrier. Donc, on joue Paris samedi à 21h. Après, il y a une trêve internationale. Hein. Donc, l'avantage, c'est que Wang, il va rester ici, vu qu'il est blessé, il va pas se déplacer. Après, nous affrontons Metz le 21. Alors, il y avait le match de Metz, donc un adversaire direct. Brest le 28, Strasbourg le 1er. Et après, il y a un gros match face à Lyon. Donc, ça fait que tu as cet enchaînement de 3 matchs là. Où tu peux faire une série. Ouais, avec des adversaires directs pour. Même si Strasbourg est mieux parti que nous, pour rester en Ligue 1. Mmh. Moi, c'est con à dire, mais personnellement, je préférais le calendrier qu'on avait là de Lorient, de Reims, qui se suivait, où on aurait dû faire quelque chose que des victoires d'affilée. Que là, statistiquement, par rapport aussi à comment je les vois jouer, il y a l'histoire de Bordeaux quand on les a affrontés. Metz, c'est une équipe très chiante à jouer à chaque fois. À chaque fois qu'on les a, on finit souvent en match nul. Derrière, Strasbourg, en ce moment, est en train de péter tout au niveau de l'attaque. Ils ont une attaque qui est fulgurante. Ça peut nous faire très mal au niveau de la défense. Personnellement, je préférais le calendrier qu'on avait là, des 3 derniers matchs. Mais bon... C'est ça. Donc voilà, vous avez le classement. Bordeaux, 12 points, 16e. Fais-moi le calendrier. Enfin, moi, je trouve très intéressant justement le calendrier parce qu'on a quand même 2 matchs de gala et 4 matchs, effectivement. Alors, Strasbourg, moi, le match qui m'inquiète le plus, c'est Strasbourg. Hein. Clairement, c'est à Strasbourg, je crois, en plus. On n'aime pas aller là-bas. Donc, clairement, ce match-là, pour moi, il me paraît assez compliqué, malheureusement. Maintenant, tu as Paris et Lyon à domicile. Tu as quand même 2 matchs où tu peux bien te régaler si tu. Et Lyon est quand même sur un dent de scie. On le voit, ils n'arrivent pas à faire 90 minutes. Effectivement à fond. Metz, ils n'ont pas gagné un match. Brest, ils viennent juste de gagner un match. Mais je ne pense pas que Brest, c'est quand même une équipe qui est très fragile du coup actuellement. Trois, on sait ce que c'est, trois. Hein. Ça essaie de jouer, mais c'est un peu fragile aussi. Donc, si tu arrives à faire une mi-temps, une heure de jeu, comme tu as fait contre Reims sur les 20 dernières minutes, trois, Metz et Brest, tu peux quand même te les faire. Maintenant, c'est là qu'on va voir si cette équipe a vraiment le potentiel pour faire mieux là, que la saison dernière ou pas. Là, ce calendrier-là, ces 6 matchs-là, voilà, il y a quand même un gros intérêt pour nous de voir vraiment si on est vraiment une équipe pour rester en Ligue 1 ou pas. Malheureusement, déjà, voilà. 2 succès d'affilée, ça serait vraiment bien vu que la rareté de cette série-là avec Bordeaux ces dernières saisons, malheureusement. Après, on n'est pas là pour faire du jeu. On va pas trouver un fond de jeu là dans la série. Ah oui, évidemment. C'est clair et net. Hein. Enfin, là, il faut des points et c'est tout. Hein. Il y a Slim qui nous dit on va faire nul contre Paris et prendre 7 points pour les 3 matchs suivants. Ce qui nous amène, mes yeux, au pronostic. Avant de conclure cette émission, les pronos, c'est qu'ils attendent là, les viewers, les pronostics. Gino, c'est quoi ton prono pour ce Bordeaux-Paris de samedi 21? Premier samedi du mois. Malheureusement, je dirais 2-1 quand pour le PSG. Quand je fais cette blague, premier samedi du mois, il y a tous les gens qui ne sont pas de ma génération qui ne comprennent plus maintenant. En fait, c'est une blague de vieux. Quoi. Premier samedi du mois, c'est une blague, c'est devenu une blague de vieux. Quoi. Voilà. C'est une blague cryptée, Nico. C'est une blague cryptée. Cryptée. Ouais. Bon, du coup, Gino, redonne ton pronostic. Ouais, 2-1 pour Paris. D'accord, très bien. J'espère que non, mais je vois ça. Hanif.
Allez, moi je dis 2-1 pour Bordeaux avec un but de Ellis qui fait la célébration panthère dans un stade plein. Ah, oh, ça serait beau, ça y est, j'en frissonne déjà. Ah ouais, ça serait magnifique. Joe. Un match à but, encore une fois, on le voit à Bordeaux, il y a quand même beaucoup de buts dans les matchs. Donc, allez, un 3-2 pour Bordeaux parce que j'ai envie de dire. Non, franchement, j'aimerais même taper un peu les Parisiens. Franchement, j'aimerais bien me les faire. Franchement, voilà. Donc, mais ça paraît improbable, clairement. Mais brillant. Cette équipe. Mais, bon, mais ouais, mais en même temps, brillant. C'est improbable. En 20 minutes et qui te fait une passe décisive et qui décide sur un match, ça aussi c'était tellement improbable que tu sais, maintenant j'ai l'impression que peut-être il y a une bonne étoile qui est arrivée sur le stade là ce week-end et peut-être qu'elle va rester pour le prochain match, ça serait bien. Voilà. Conan, ton pronostic? De partout. Ah, le même pronostic que Mohamed Kamesh. Ouais. Tout le monde va à Bordeaux marquer déjà. C'est... Ouais. Ricard Yves, il nous dit un partout en étant optimiste. Et Baboun nous demande ce qu'on fume. Non, rien, Conan, toi on te demande pas. Hein. Paris a jamais été aussi prenable, même contre les équipes un peu en difficulté cette saison. Tu sens qu'ils sont capables de craquer. Après, le problème de Paris, c'est qu'ils ont jamais été aussi prenables, mais qu'ils gagnent quasiment tout le temps. Ils renversent tout le temps les matchs. Ouais, Ils ont compris que ça sert à rien d'être tout le temps à fond. Ce qu'ils visent, c'est la Ligue des Champions. Le championnat, ils l'auront. Ils ont déjà 10 points d'avance. Ils vont l'avoir. Et tu sais qu'il faut monter en puissance au fur et à mesure de la saison et être présent sur les grands matchs. Les grands matchs, ils sont pas là, de toute façon. Donc, là, la première partie de saison pour Paris, ils vont être en roue libre. Ils vont prendre les points où il faut. Ils vont pas chercher à tout défoncer. De toute façon, ils savent très bien que ça sert à rien. Donc, ils vont monter en puissance. Paris peut aller loin en Ligue des Champions cette année, donc le championnat, c'est pas vraiment leur priorité, tu le sens, mais surtout que maintenant, ils ont pris de l'avance. Ouais. Donc, ça serait bien d'en profiter. Et même, ils ont des joueurs capables de, même s'ils ne performent pas en Ligue des Champions, ils ont d'autres joueurs sur le banc ou quoi, qui sont capables de briller en Ligue 1 et de te offrir 3 points. Bien sûr. On n'a rien à perdre. On verra. En tout cas, personne, c'est beau de rêver. Nous personne dit, ne voit qu'on va faire un clean sheet. Hein. Donc, déjà. Ah oh, bah non. Ça fait 12 matchs qu'on ne le fait pas. On ne va pas le faire contre Paris. Ouais. Ouais. Bon, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Merci, c'était très agréable d'être moi, avec si vous. Je pouvais te donner juste mon petit avis, parce qu'on a parlé un peu de l'équipe, tu as parlé des choses, et je ne suis pas d'accord en fait avec tout ce qui a été dit sur l'équipe contre sur Paris. Sur le thème numéro 1 de l'émission, on n'est pas d'accord. non, sur l'équipe que l'on doit aligner face à Paris, en fait, je ne suis pas d'accord avec des choses qui ont été dites, parce que pour moi, réaligner la même équipe qu'on a eue en fin de match, c'est une erreur parce que, ben, bizarrement, comme ça a été dit aussi, on l'a toujours remarqué, souvent des joueurs comme Kalou ou autres, c'est quand ils rentrent en cours de match qu'ils sont meilleurs, donc je les ferai pas commencer les matchs. J'ai peur justement que ça foire la chose. Et surtout, j'ai une chose que moi j'aime bien prendre en compte dessus, c'est que Paris, on a deux joueurs qui ont été à Paris, qui sont un qui est toujours en prêt chez nous de Paris, c'est Pembele et donc Atli. Ces deux joueurs-là, c'est deux joueurs que je ferai jouer automatiquement par contre sur le match directement parce que je sais qu'ils vont tout donner contre leur équipe. Le Pembele, ça peut être son match. Normalement, ils vont jouer. Ouais, je pense qu'ils devraient débuter les deux. Calou, ouais. C'est pour ça, ouais. Pour Kalou, je suis d'accord, je sais que c'est Dino qui a dit qu'il a fait une bonne rentrée. Ouais. Mais pour moi, je trouve son entrée, je trouve qu'elle est un peu scandaleuse parce que tu sens que c'est le joueur qui arrive et qui veut absolument prouver quelque chose. Et donc, du coup, il a tenté des frappes de n'importe où, il tire dans la boîte, etc. Alors certes, dans sa qualité de vitesse, c'est quelqu'un qui percute. Et à Bordeaux, on n'a pas ça parce qu'il faut forcément des joueurs qui tentent et qui ont du déchet. Et ça, je n'en veux pas sur ça. Mais tu sens que parfois... c'est pas quelqu'un qui va réussir à te faire un 1-2 en fait. J'ai ah, mais ça c'est sûr. Pense pas, donc, mais par rapport à Oudin, Anif. Ah oui, totalement. Totalement. Ouais, c'est ça le souci. Mais après, est-ce que Oudin. Est-ce que Oudin est peut-être pas plus intéressant dans le côté discipline où il revient défensivement, etc. Ouais. Après, moi je mettrais Kalou si on parlait que d'un point de vue apport offensif. Mais je pense que c'est un peu limité. Ou un Dylan Rossel. Voilà. Dylan Rossel, peut-être le juste milieu, peut-être. Après, Kalou contre l'OM, il avait fait des bonnes premières minutes dans ce rôle un peu où il tournait autour de Wang. Donc, pourquoi pas retenter ça ou face à Paris, surtout qu'il y aura des espaces. Et on l'a vu dans la défense parisienne ces derniers matchs. T'as quand même pas mal de 1 contre 1. Donc, Kalou en 1 contre 1, c'est plus intéressant coup dans sa session. Est-ce qu'il ne sera pas suspendu le latéral droit Hakimi? Non, je crois qu'il revient pour ce match. Il revient pour ce match, d'accord. Ok. Malheureusement. Pas une bonne nouvelle. Ouais.
Messieurs, merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là pour débattre et animer cette émission. Merci à tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci aux sociaux. Si vous voulez nous rejoindre et devenir sociaux et participer au repas que nous faisons le 21 novembre pour Metz Bordeaux. Voilà, Conan, il envoie le lien. C'est magnifique. On se quitte avec le générique des sociaux. Il a été mis à jour tout à l'heure. Donc, si vous nous soutenez, vous devrez voir votre photo. Messieurs, merci à vous et à bientôt. Allez, salut. Bonne soirée. Salut Anif. Salut Gino. Ciao, ciao. Salut Conan. Salut à tous. Salut Joe. Ciao.